président Dr. Gérald Gilio, partisan Emmanuel Ventiler, partisan Smith Augustin, yo déjà commencé à tirer pied après rapport ULCC mette dehors. Côté que enquêteur ULCC yo mandé pour que la justice haïtienne agit contre trois conseillers sa yo, lui Gérald Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Ventiler, parce que monsieur Sao t'a impliqué dans des scandales de corruption que yo t'ai mandé 100 millions de goudes avec ancien président conseil administration BNC1, monsieur Raoul Pascal Pierre lui, partisan lui Gérald Gilles mandé enragé, Emmanuel Ventiler mandé enragé, Smith Augustin mandé enragé. Qui donc je dis à désir, en pile acteur, en pile secteur déjà, ouais, que, eh bien, question qu'a pété ça, c'est au conseil qui vous crasse. En pile monde déjà, vous voir au chapitre, pour dire que crasé conseil présidentiel, transition ça, avec ensemble de monde que nous cité dans scandale corruption. Et qui est allé plus loin, je dis que, quelque soit le KPT, quelque soit le gouvernement Konyan, c'est écrasé le pouvoir qu'il a. Parce que, il y a déjà, ouais, que, mais deux têtes exécutives, ça qu'il a, il n'y a pas réglé un sérieux. Donc, je dis à la désir, on dit que, qui a venu pays d'Haïti? Et qui a venu transition politique ça? Qui a venu KPT? Hein? Qui a venu gouvernement Koni? Hein? Et m'a pas menti désir, GPM Gary Koni, monsieur Kapé en mettre pays, selon un peu le monde. Monsieur Kapé en mettre pays, monsieur dit que, madame Dominique Dupuy, li pa gè pou la répondre question, conseiller yo, parce que, Jean que yo voit invitation, gè on vis de femme la donne. Et il dit, monsieur yo, retetan, comme le 4 ou bien le 5 octobre là, eh bien, après une rencontre entre un dit conseil des ministres, eh bien, laisse ça, il a parlé avec madame Dominique Dupuy. Mais cette histoire que madame Dupuy déplacée pour c'est lui-même, Kalambiro et conseiller yo, gars, qu'on dit pas comme ça. Eh non, gars, qu'on dit pas comme ça, elle met le pays frère, elle met le pays, elle met le gouvernement, elle met le conseil, mais madame Dominique Dupuy c'est sous ordre lié, il pas déplacé aller parler avec aucun conseiller pas avant que c'est pas un conseil des ministres qui vous fait. Et nous bagar ça, il risque écraser chambarder pouvoir exécutif ça qu'il a. Elle dit nous risque tomber notre troisième transition. Nous risquons de tomber dans la troisième transition des Ivenesses. Et pendant que nous risquons de tomber dans la troisième transition, ça, gagner exactement. Président dominicain, Luis Abinadel. Des Ivenesses et mon égard, pile haïtien, qui ont même cap vivre Saint-Domingue et cap garder mes sacs nouvelles. Luis Abinadel, monsieur dit, chaque semaine qui va venir là, Libral déporté 10 000 Haïtiens qui illégal la Kaili. Luis, maman prend ça pour nous. Luis Abinadel dit, à partir de semaine qui a venu là, Libral commence chaque semaine déporté 10 000 Haïtiens et ça qui illégal la Kaili. Qui donc je dis là, l'État haïtien prépare nous parce que Luis Abinadel va le voir Haïtien ban nous. Décision grand bas, mon frère. La situation. Question convocation, madame Dominique Dupuya, est-ce qu'elle est correcte? Moi, m'a dit oui, elle est correcte. Parce que, faut qu'il y ait clarification qui vient sous dossier diplomatique, ça, qui te gagne cacophonie là-dedans. Mais, Kounia, on pose tête une question. Position, premier ministre, docteur Gary Koni, ou vice de forme, ou mandé ministre, affaires étrangères, pour ne pas mettre des pieds, est-ce qu'elle n'est pas correcte? M'a dit oui, elle est correcte. Si c'est conseiller présidentiel, qui a convoqué, conseiller présidentiel a pris un engagement pour asseler, mettre signature en bas document qui a voué pour invitation. L'autre bagage de la situation, Dominique Dupuy vini dans la diplomatie haïtienne. Il pratique une proposition. Il m'a dit enquête, il m'a dit pour LCC mener enquête. Sous yon ensemble consulat, sous ensemble diplomate, ça pratiquement, il y a des nègres, il y a des camps qui ont dérangé. Parce que les diplomates là volent, c'est pas peut-être ils volent, ils pas voler peut-être tout simplement. Nous besoin qu'on ait ça. Parce que pays d'Haïti, il pratiquement gain problème avec monde qui intègre. Blaise Peterson. Nous ouais que mairie Port-au-Prince commencer avec un ensemble de mouvements nettoyage, un ensemble de rues en bas la ville là. Blaise Peterson qui portait l'espoir. En plus on a posé cette question. Est-ce que magistrat Port-au-Prince il prend dans même l'ordre la police prend dans main Jimmy Cherizier alias Barbecue qui mentait pour tout le monde Badelma tourner et yo wè que la police tout font faux filer al prend al reprend contrôle commissariat qui dans Kafou aéroport qui ont été abandonné depuis un bon bout de temps
ça qui a passé en bas la ville là, les abgardes magistrats pour de ça qui a frappé, pour de pas une grosse opération qui a mené, mais qui a toujours gagné contrôle à terre. Et nous, ouais, qui blindé qui accompagne, qui a retiré carcasse machine, plusieurs dizaines de machines qui ont été boulées, nous, ouais, qui a regardé les personnes. Ça permet qu'elle a posé peut-être une grosse question. Chef gang, dans le département de la Tibonite, Dixon Elan, il parle tout, les personnes, il prend position pour dire que nous, nous, qui a traversé Kafoua, toutefois, qui est d'accord, mais net pour sonder au campé en face, il parle pour la fond massacre, non, pour sonder. Dans le niveau marché, dans l'espace là. Si l'autorité n'a pas de responsabilité, c'est eux-mêmes qui prennent des responsabilités parce que ça ne pas jamais annoncer son bagage de la situation pour ne pas faire. Dans le cas conseiller, ILCC, tout le monde t'a prétendu rapport enquête ILCC. Comme ILCC n'a pas de compétence pour le dire arrêter, pour le dire marrer, mais ILCC transféré le dossier pas devant juge. Pour le dire juge d'instruction, mener enquête sur ça. Et mettez action publique en mouvement contre trois conseillers ça. Mettez action publique en mouvement, c'est dire mettez mandat des trois conseillers ça pour marier mettez des quatre mirailles. Pour voir l'autre. Très bien. Vous sentez travail à pas fait de poids et de mesure parce que, ouais, même Raoul Pascal Pierre-Louis, ancien président et conseil d'administration BNCA, il pratiquement mandé avec autorité États-Unis pour extrader monsieur. Pour Interpol, pour monsieur là. Interpol, pour monsieur. Tournez en Haïti. Pour le permettre de venir répondre aux questions sur et ça qu'elle fait surtout et d'ailleurs utiliser ça comme influence hein pour ben pour devenir pour corrompre de monde en dedans pouvoir et en plus fois il a posé cette question on est qui sorti dans structure qui présente tête li comme structure de gauche ta petite de Saline qui j'en fait un représentant fait plonger dans situation ça non moi je pas dit ça moi pas dit ça moi non pas dit ça moi Moïse pas de monde sérieux non frère monsieur non plus le monde Bode, moun ki konn Moïse Jean-Charles, mais ça m'a dit bien, en pile témoignage fait là, moun ki konn Moïse Jean-Charles, yo toujours dit Moïse Jean-Charles pas de monde sérieux. Monsieur c'est un couteau de bolier. Devant la parler bien pour derrière la font l'autre bagage. Haïti Moïse ça va étonner moun parce que l'air que yo tendez Emmanuel Vettiler qui c'est représentant Petit Dessaline, lui-même non cité dans bagage ça parce que gardez histoire et Émile qu'il cite dans Anguillan. Gardez histoire et Soyel Henri, Moïse by ministre, Moïse pas j'aime l'air qu'il était by ministre et même sous Jovenel Moïse, nego t'a fait bataille contre Jovenel Moïse. Moïse est dans pouvoir. Moun ki connaît Moïse très bien, il y a dit que Moïse pas jamais un sérieux et Moïse pas jamais un leader de gauche, il t'a vendre semblant un leader de gauche mais il pas jamais de gauche zanmi. Mais d'avance. Kounya, on essaie donc de regarder. Et profil moun yo qui pratiquement plongé dans situation comme ça. Emmanuel Vettiler, juriste. Yeah. De son état. Et regardez lui Gérard Gilles, un ancien sénateur tout. Ancien sénateur, un médecin, on est qui parcourit, on est qui perdit un pile temps pour l'apprendre, on est qui passe l'école, on est qui, nous avons dit son intellectuel chevronné. Exact. Qui en fait à le tomber dans le bagage comme ça? Et ça, quand nous sommes tous question de Yavar, sur question de chercher faire l'argent, n'importe qui, Jean. Et si nous avons gardé Smith Augustin. Oui, monsieur, c'est diplomate et ambassadeur de Haïti dans ce domaine. Formé. Qui en fait tomber dans le bagage comme ça? À partir de qui ça a tombé dans le bagage comme ça? Comme, en plus, il faut attendre de ces tractations. C'est pour qu'à discréditer ou qu'à retirer dans le conseil là. Mais la situation qu'on y a, nous devons garder configuration conseil là. Avec maintenant, trois mouns à est-ce que le conseil a toujours inspiré confiance? Parce que l'autre, six membres n'ont pas de jambes en position ferme sous question ça depuis le Raoul Pascal Pierre-Louis, et fin faire des dénonciations. Le tétio après tant délibération ILCC. Après ILCC, transférer dossier par devant et la justice. Qui ça, président conseil là? Qui position qu'il prend? La continuer de détendre la justice? Parce que si c'est instruit qui a instruit le CIA, l'a bien over 90 jours, 3 mois. Quand il y en a pris 3 mois, l'a quitté le pays à traîner. Et question président tournant là, est-ce qu'elle a toujours qu'un pour 7 octobre qui a venu là, c'est Abel Smith Augustin qui a pris un siège, présidence conseil présidentiel transition. Vis-à-vis avec toute cacophonie, bataille qui gagne entre diplomatie avec et KPTA, bataille qui gagne entre chef gouvernement avec la présidence. Est-ce que ça a joué en faveur du pays d'Haïti? Pendant nous avons un espace, nous avons des dates fatidiques, nous avons des dates qui sont importantes, qui permettent que nous organiser et prendre le pays et conduire vers un espace très sérieux pour la situation. La situation n'est pas belle. La police montre que continue à frapper, mais le résultat n'est pas escorté tant que nous avons pris le temps de nous soit garder dans le dossier, ou après opération pénétration qui a fait dans l'espace, même dans le palais de Boussal, en bas de la ville, nous continuons à faire chemin, mais des faits, problèmes qui gagnent pour côté. Chef gouvernement, bon côté conseil présidentiel de transition, bon côté chef diplomatie, il pratiquement côté en pile cacophonie.
et malais qui pendait sous tête haïtien qui vivent tout partout à travers le monde là, ça au cap vivre les États-Unis, ça au cap vivre en République dominicaine. Donation claire de Stetson après le fin élu, s'il est élu dans l'élection qu'elle fait là on en mois de novembre cap venir ensemble monde qui rentre dans CBP1, ensemble monde qui rentre dans parole humanitaire programme Biden. Il pratiquement pas connaît des situations de bouleverse et déjà depuis la campagne ouais qui position. Et Luis Abinadel, il dit la fond bagaille, nous voyons qu'il a arrangé l'IFEL, parce qu'il dit qu'il peut envoyer plus passer 10 000 Haïtiens tourner la caillou presque chaque mois. Parce que lui imaginez quantité Haïtiens qu'il voit qui rentrait qui vivre l'autre bois illégal. Ensemble, Haïtiens, c'est ça qui fait aller. Il a cherché la vie, soit il a cherché sécurité, ou bien il a cherché un travail qui permet de continuer de vivre la situation. Désir Venesse et Zemeter Noutnouyo, moi Désir Venesse, pas oublier ça. Dossier ça, fon konne comment la fini. Dossier ULCC ça, dossier 3 conseils ça yo, bagay conseil ça, gouvernement koni batay al kapete gouvernement koni non, fon konne comment ça pral fini, et comment la fini, et dans tout ça yo, qui côté pep haïtien li même liye. Mle ke nou a les chèches nou chita pou nou kapap tande. Rapport ULCC yon lge 12 pages. Li en pile. Li vraiment en pile. Même baba nous menti, m'a ka li tout 12 pages pour nous. Et m'bral vini avec un extrait sonore que directeur général du CCA, monsieur Hans Ludwig Joseph lui-même que li baye. Là je viens quitter mercredi 2 octobre là. OK? Nous pral tande monsieur. Mais en grosso modo, il y a un aspect qui est important dans rapport ça que moi estimé que m'te capable partager avec zami avant même n'entendre directeur là. Et ça monsieur dit. Monsieur dit que Désir Venesse et bon garder bagala bien. Sorti mois de mai. C'est bien. Sorti mois de mai et vous arrivez mois d'août 2024. C'est bien zami. Monsieur pral dit tout à l'heure, mais m'le ça clair dans tête nous. Sorti mois de mai et pour arriver mois d'août 2024, gè conseiller Smith Augustin qui fait 15 achats, ça veut dire qu'il a acheté 15 bagages, mais on dit ça l'a acheté. Mon qui ça l'a acheté à bien dire. Mais il dit monsieur fait 15 achats. Et 15 achats ça li évalué à 872 000 Good, 872,220 good 40 centimes. J'aime dire comme ça. 872,220 40 centimes. Elle dit 872,000. Gonsi atteint de Léandre. Peut-être que je viens comme ça. Ah, ça peut être la frère. Ça me connaît pas. Ça peut être la messie. On est comme ça, frère. Sorti c'est casse m'appelé dans rapport ULCC. M'a fait mon dieu d'entendre lui me dit côté jeune Eh mais moi balé frère bon monsieur l'argent là. Bon galé moi avoir monsieur l'argent là. Vous comprenez? Et comment jeune l'argent monsieur? Yo dit Léandre là lui-même qui ses amis Smith Augustin. Et ça veut dire son ami Léandre. Moi comme je sais construit la Haïti dans ses domaines. Moi si me pas trompé. Monsieur lui-même une somme de 546,921,60 centimes. Alors 60 good, 60 good. Ça coule dans ta carte. Ça a timoné. Ça a timoné puis son chemin. Mais si je n'ai pas habité moi quand même. Mais pendant j'en ai compris. Et pendant j'en ai compris papa. Gagne juge Emmanuel Vertiler. Bon monsieur lui même enragé net. Hey, parmi ça son. Est-ce que calibre ça me calibre quand même. On va plus mal dans ça que chiffre. Monsieur Gagnon. 1 million 78 000 good 255,61 centimes. 1 million 78 000 255,61. Et le général Jules, lui-même, il c'est 1 million 27 336,82. Next, qui a accumulé une grosse somme d'argent sans n'être pas même fait s'en aller remboursement. Et 4 Smith Augustin et Léandre,
yo te bloqué monsieur Sayo parce que pas payé 4 Sayo. Emmanuel Vettilier lui-même, monsieur t'ai remboursé 157 000 goud et le Gérald Gilles lui-même 700 goud avant enquête là. Pas essayer. Aïe là, yo banek yo sous cadio. Ah, li clair mon cher. Et bon avancer. Et Raoul Pierre lui tout, ça même dit monsieur, je son gros volant tout. Yeah, ce sont gros volants. Fanny Bagala. Et pas. Par là que Bagala c'est mon sous de trois conseillers, non? Mais Raoul Pascal Pierre, ce sont gros volants, oui. Parce que selon le rapport ULCC, il y en a. C'est pour profiter pour eux. C'est pour profiter pour eux. Non, mais quel que soit ce Bagala est là, Raoul Pierre, il n'a pas aucun intérêt, si pas parce qu'il est même tout. Il n'a pas d'intérêt pour qu'il t'apprête la donne, pour qu'il t'ait choisi de rentrer dans la connivence, dans le concordat de décaissement de l'agence pour les gens. Non, Blaise, l'homme a pris le pété. C'est là, monsieur, venir de comprendre que n'est pas capable de renouveler le mandat. Il est obligé de faire causer après la rue. Exact, exact, exact. Mais il dit que Raoul Pierre, lui, monsieur était proposé, aurait proposé, monsieur t'a proposé des avantages financiers en lieu et place des sommes demandées. Elle dit, quand il était comme n'est-ce pas demandé, hein, monsieur proposé plutôt. Pour le tabanego des avantages financiers. Adi. Avantages financiers, l'argent tout. Ah, n'est plus bagaille. Peut-être il pas répondre avec quantité que vous mandez. Sans doute, il n'y a pas de venir. Mais avancer de l'autre chiffre qu'il a bayo, qui c'est avantages financiers toujours. Attendez, mon citoyen. Pendant que monsieur propose Negio, ça n'est les désavantages financiers, en lieu et place de somme là, je n'ai pas demandé, monsieur. Monsieur te dit que Negio, il y a bayo. 4-4 de crédit. Elle dit, chaque nek ta bon 4 de crédit. Pas oublier qu'on Léand là. Léand, ça, monsieur, tu m'as dit, priorité le tout. C'est Emmanuel Vettilier. Oh, bon, mon gars, c'était consulat ici, c'est demain, mon cher. C'est Emmanuel Vettilier, Smith Augustin, Louis Gérard Gilles et Léand, ça. Eh bien, monsieur dit que, y a là, ben, nek 4 de crédit. Mais pour trois conseillers, yo, Nego a bon carte de crédit cap évalué limite li c'est 20 000 $. Et ben 20 000 goud, et ben 20 000 comme si pas de l'haïtien, non, il m'a de l'haïtien, t'as dit 100 000 goud. Non, 20 000 $. Et 20 000 $ moins. C'est pas 100 000 goud. Non, pas 100 000 goud. Elle dit 20 000 $. Et Léon de lui-même qui c'est proche mit Augustin, monsieur lui-même a bon carte de crédit qui a 12 500 $. Monsieur, t'es dans l'intermédiaire ou bien monsieur son président Baron? C'est dans chambre 408 là. Et monsieur, t'es dans chambre ça. Chambre 408. Ouais, ça, monsieur, t'es là-dedans. Elle dit, et monsieur, t'as pris ses voix, n'est-ce pas? Et tout ça, oui. Ou pas t'as des monsieur, c'est coutier. Coutier a touché tout. Ou pas t'as des questions, monsieur, t'as dit, et Gonzami, c'est un ami à moi. Mais c'était tout ça, oui. Ok. La paille de coutier. Coutier a dit, comme parle 12 500 $. Qui est un cas de crédit à bay, monsieur. Et l'autre trois conseillers, 20 000 $. Ça compte à chaque fois que vous avez fait. Vous avez dit, le Gérald Gilles, monsieur, seulement dans la communauté que vous avez acheté, vous avez seulement 700 gouttes de bay avant qu'elle ait été menée. Seulement 700 gouttes. Oh, pardon. 55 700 gouttes, pardon. C'est 55 700 gouttes, voilà. OK? Le Gérald Gilles de bay, 55 700 gouttes avant qu'elle ait été. Vous corrigez ça, parce que ce n'est pas 700 gouttes, c'est 55 700 gouttes. Combien vous avez loué? Ah oui, comme que tu as dépensé acheté au crédit, comme il y a un bousser li, il y a un bousser li. OK. On comprend. Que le désir maintenant qui ça paye à tomber là, maintenant qui ça que nous en a fait, pile bonne camouquin, qui bonne vagabond, ou qui bonne pas sérieux que nous en a fait et m'a dit papa ici encore. Papa ici prend destin nous. Destin paye ça dans nous lié parce que nous en a fait avec qui bonne volo. Volant dans BNC, volant dans conseil, volant dans gouvernement, volant dans tout qu'on a l'état. Mais fante bagala kay désir. Volant tout côté. Mais je dis à mes haïtiens, m'a dit nous ça clairement, prend responsabilité nous. Prend destin nous en main. Et moi quoi que je dis à désir, il est très important pour que moun yo capable attendre. Parce que on fait mon tout de bagarre avant, on devait faire si approche ça avant, mais avant comme si pour moi capable de ça gagnant et puis après ça comme c'est français, il me ça parler, il me ça parler français. Mais pas ici à besoin pour comment parler bien, ça peut parler français. Moi même m'a décortiqué le plus entendu. Ah ouais, c'est français la parler. On va rapport même nous voir faire négocier ça oui. On rapport en créole, mettez pas en créole pour nous comprendre.
pas de pile gros français pile bagay alors que gros peuple qui va comprendre c'est pour majorité la majorité à ta de comprendre exactement yeah. Et négro là j'ai peur là voilà entendez Hans Jacques Ludic Joseph qui c'est directeur général ULCC unité lutte contre corruption qui mandé Marie quatre alors les pas 5 mois trois conseillers ça yo Léon Zali même qui s'est consulé haïtien et puis mettez avec Raoul Pascal Pierre Luc Guetamaon mais on m'a dit la Interpol d'elle entendez sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'ULCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant trois membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale du crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité dans la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande d'un traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoir important issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'ULCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de compte. Ça qui a passé aujourd'hui, c'est un événement historique. C'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait et restait un état de droit. Qui donc, personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piwo, ni en les têtes la loi. L'ULCC a continué sans arrêter. Avec même énergie, traquer tout corrompu à tout corrupteur. L'ULCC a fait des recommandations administratives, en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord
la mise en mouvement de l'action publique contre les nommés Smith Augustin, Emmanuel Vertilaire et Louis-Gérald Gilles pour abus de fonction, versement de pots de vin et corruption passive, ce conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal Pierre-Louis pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé Loni Cléandre pour instigateur de versement de pots de vin fait prévu et puni par les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal Pierre-Louis par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits, ce conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivant de la Convention des Nations Unies contre la corruption, du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. Désir, vous êtes bagala. Bon, Blaise, nous-mêmes, nous avons déjà une position. Parce que, ouais, même que c'est à une rumeur, même que c'est à une accusation, au nom de la morale, monsieur conseiller, vous êtes doué démissionner de la situation. Laisse ça, vous êtes sorti, t'es trop devant la situation. Mais malheureusement, c'est des gens qui t'es dormi rêvé, vous êtes président, ils ont décidé de continuer à rester. ILCC, li Angel, malgré grand pile moun ki dit que rapport a manqué évidence, li manqué clair, li manqué explicite, mais le fait ILCC, dans ti bout de temps qu'il te gagne en blessé personne, li fait sale de gagne pour le faire, parce que le gon date qui a avancé, li pas qu'à arrêter, n'entendez de chercher évidence toujours. Mais gen moun ki dit tout son rapport qui est instrumentalisé tout, gen moun ki dit son rapport instrumentalisé et gen moun a caché des rapports pour qui force ILCC qui travaille rapport rapide. Donc, si quelqu'un a caché, Kounia, c'est qui est? Est-ce que c'est CARICOM qui a caché? Est-ce que c'est le département d'État qui a caché? Est-ce que c'est sans doute le conseil qui a caché? C'est ensemble question qu'il a posée. Nous-mêmes, nous parcourons dans la question de la caché. ILCC, c'est une institution qui prend, qui a une responsabilité pour faire le travail que vous faites. Il fait le travail par là, il fait partie par là, Kounia a été avec la justice pour mettre l'action publique en mouvement. Ou elle garde parti administratif. Parti administratif, le traité, ça qui a un rapport avec la question de justice, li déféré par devant la justice pour la justice prend responsabilité. Koun yan pral gade. Est-ce que ensemble, juge, yo pral pratiquement quitté et directionné sous contrôle et soit groupe moun qui peut être derrière conseiller ça yo? Est-ce que yo pral prendre intimidation pour empêcher yo faire travail yo? Mais de fait, il a cessé de faire travail. Blaise. Ouais, décision ça, lui mettait tout ou ni, et nous t'a dit quelque part, lui portait raison, by groupe monde qui était dans la question de l'évolution avec Philippe là. Pourquoi ça me dit ça? Parce que sans doute, monde ça a été prévoyant. Il a dit, mais qui côté, bah, la bralé? C'est le groupe qui pral venir pour chercher faire l'argent à tout prix. Il pral chercher une fonti comme. Parce que, il y a de là qui gagne plusieurs dizaines d'années. Depuis, il n'y a pas de chance d'arriver au timon des affaires pour venir dans le pouvoir. Pas de profiter, pas de arriver là, il dit bon, et comme son bachalet, ben mais c'est d'autres regarder qui j'en cap sous ces mamelles là, parce que je ne sais pas qu'il est, après tout, là, dedans. Comme si ensemble d'achat ça, qui présentait que Smith Augustin, que et docteur Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire, ensemble de ce sort d'agit en fait, qui côté vient l'agent ça? Non, mais qui est-ce qui ouvre l'agent ça? Est-ce pas que d'autres que directeur général? Que n'a pas arrangé que vous avez pris l'argent dans le meilleur encore. Ça fait que l'enquête a besoin plus approfondie. Et ça fait, moi-même, d'accord avec la catégorie de monde qui dit que l'enquête ILCC a pu jusqu'à présent, il manquait évidence. Mais il fait avancer, ça le bail là, c'est des pistes qui permettent que la justice fait travail, surtout à l'encontre de M. Sayo qui est épinglé dans la question. Qu'on y a un essai d'autre regarder.
ça qui vient là, Kounia Blaise Peterson. Est-ce que le conseil présidentiel transition est pratiquement toujours kembe, ça qui gagne comme respect que moun dabe gagne pour lui? Léo kembe, 3 dans 9 moun yo qui plongent dans la corruption et yo moutre que yo te commencé à recevoir. C'est yel, c'est ce qui dit. Yo te commencé à recevoir l'argent. Kozi a ta parlé. Ok? Kozi a ta parlé. Mais Kounia yo d'accord que nèg yo te commencé à recevoir l'argent à travers 4 qui yo ta bay nèg yo. Ou pas qu'on est que Raoul Pascal Pierre-Louis, président du conseil d'administration BNC, l'état gestion l'argent qu'il a fait dans BNC, c'est pas de l'argent pâle. C'était l'argent sociétaire, c'était l'argent membre qui fait partie et banque-là, qui n'a banque-là. Là, on décide comme conseiller présidentiel, au premier mandat, le bras le fini, lui contacter, lui prendre rendez-vous avec ou la Kaili, nous manger ensemble, nous boire ensemble. Dans le moment, nous apprendre que le premier ministre et docteur Gaïkoni, il manque de prendre sa bord. Non, mais Claude Joseph, parce que Claude Joseph te dit que il est habitué, voyez le gouvernement aller déjà, il est capable de voir l'aller. Après, nous continuons, nous allons chita dans l'hôtel, nous allons chita au manger, nous allons et puis nous allons aller avec poche de belle. Bon, si nous allons manger pour nous, nous allons arranger au bail la purée, puis libérer la République, parce que le pays a trouvé une situation très difficile. Nous, nous allons prévoir, nous te dit, mettez le conseil présidentiel avec neuf en blanc, c'est une autre crise, en deux crises que le pays a connu. Mais qu'est-ce qu'il nous fait pour nous sortir là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas qu'à sortir là-dedans? À partir de qui ça n'a pas sorti là-dedans? Moi, tout le temps, il blesse. Ici, on question de conscience. Tester conscience, nous. Tester volonté, nous. Pour nous retirer le pays à côté hier. On y a pris tant de décisions, CARICOM. Après ça, CARICOM, comme c'est lui-même qui met des jeux, Blaise Peterson, il doit décider. Mettre un temps, c'est CARICOM. Utilisé par l'Occident, utilisé par Nations Unies. Il y a besoin de prendre une décision qu'on y a. Parce que ILC s'est délivré. Il y a tellement de indices. Il garde les parties administratives. Il transféré devant la justice. Qu'on y a, monsieur, pratiquement pas de place, yo, dans le conseil encore, bien sûr. Le bagage, Martin Desivenès, c'est que l'éclair, question qu'a posé, est-ce que, une fois que trois conseillers sont impliqués dans le scandale de corruption, est-ce que ça n'a pas tout sujet pour craser le conseil? Est-ce que ça tout, c'est pas, l'Ibaba accès, retirer trois conseillers, ça remplacer pas trois autres, bah qu'on est? Est-ce que à quoi dit ça tout? Est-ce que à quoi tout bay accès tout pour que yo remplacer trois messieurs sa yo? Parce qu'il va oublier jusqu'à présent là à quoi 21 décembre il mande enragé pour le voyer moun et à quoi 21 décembre il mande enragé pour voyer soit Vickerson gagner ou bien Marjorie Michel. Est-ce que à quoi 3 avril qui bay existence avec KPT1, est-ce que il gagne ça la donne comme ne go pas j'aime publier à quoi 3 avril? Ah ouais actuellement là désir à quoi 3 avril la crasé. Bon, il était crasé déjà, il est déjà crasé, j'en toujours dit là, mais après rapport ULCC1 a dit à quoi qu'on a enterré net, elle sont à quoi qui enterré et qui pas quand même exister encore, qui pas quand même ressuscité encore. Ouais, elle dit à quoi crase enterré net kounia. Il va même qu'à ressusciter. Mais kounia, bien que n'ego pas de Bible à 4 avril là. Kounia fanda konne qui ça qui t'a dit en dedans 4 avril là. OK? Qui ça qui t'a dit en dedans à 4 avril là? Est-ce que kounia là à 21 décembre qui besoin remplacer moun et même aider qui t'a déjà voué un moun là pour remplacer Smith Augustin? Est-ce que ça va arriver fait? Est-ce que si on pas jamais remplacer? Est-ce que monsieur ça au Pralton c'est CARICOM qui vous dit monsieur non nous cité dans des scandales de corruption obligé par démission nous? Est-ce que c'est ça qui va le fait? Est-ce que c'est ça qui va le passer? Est-ce que tout si que pas de possibilité même pas connait ça qui est dit pour ta remplacer trois monsieur ça qui prend la réaction ensemble des escritis qui voyez mais qui te voyez trois monde ça? Faut regarder tout paramètre dans moment qui vient qui vient en face nous là parce que il y a en pile ça qui vient en face nous yo. OK? Est-ce que ça tout pas prêt tout plonger pays dans un véritable mouvement lever campé soulèvement pour jeter pour craser ni KPT1 et voyer aller ni gouvernement koni là? Parce que gè des leaders politiques là yo clair dans position yo qui se krasé KPT1, krasé voye gouvernement koni nan ali. Gen ki di, se réduit KPT1 avec 3 membres, et puis voye gouvernement koni nan ali. Ay di, bagala mélange la.
Ou bien une question d'intérêt personnel, Bess. Et ça t'est toujours, Ephraim. Et ça t'est toujours, pas de j'aime le bagage encore, non, Bess. Mais qu'on y a la peine plus visible. Bon, parce exactement. Que, nous avons demandé pour vous et qu'on y allait. Est-ce que c'est pas parce que vous êtes connu plus pragmatique? Vous êtes connu, Vinal dit zéro tolérance dans ça qui n'est pas avec corruption. Malgré jusqu'à présent, nous avons dit c'est à l'oral qu'il y a, parce que pas de gain et puis exposition qu'il était par rapport avec scandale, corruption entre les trois conseillers. Et moun ki a demandé pour que les trois conseillers, est-ce que trois conseillers ça c'est pas pour Léo? Parce que Léo parle de RNDDH. Et en plus, moun toujours gardé position, c'est des positions, des procès de détention qui s'accueillent partagés comme intérêt. Et son parti politique. Son parti politique tout. Ah bon, son parti politique qui pratiquement perdit ça le dégagé comme mission, idéologie et comme responsabilité. Et on est dans le pays à Bless. Alors, dit là, c'est ensemble de paramètres ça. Et l'en garde ensemble de paramètres ça au désir. Lévin dit nous que, peuple haïtien, j'ai un mot, peuple haïtien, pas grand-chose à faire. Peuple haïtien, n'est-ce pas fait démagogie. Jusqu'à ce que, il y a boulé toute quantité de mois avec Ariel Boulé, et jusqu'à ce qu'elle était dehors, et bien, n'est-ce pas fait un genre là tout, mais c'est dame qui l'a eu, il y a fait un genre. Il a boulé toute quantité moi avec chrétien là parce que pral gon temps qui pral perdit là dans question trois conseillers ça yo si nèg pa pa démissionner est-ce carré comme venir aller flanquer au dehors et qui pral réaction partisan yo OK qui ça pral passer gay tout ça là pour nous garder gay tout ça là pour nous questionner hein tout ça pour nous garder et tout ça pour nous questionner. Et donc je dis, hein, nous face avec on 19 mois qu'on a perdu, même je ne se perdu 30 mois, 32 mois disons, avec Ariel Henry. Et ouais, l'élection est arrivée 7 février 2026, pour y avoir le pouvoir, et bien laisse après le gain. De le plus gros soulèvement, de le plus gros mouvement pour le fait, laisse après qu'on sait vivre ensemble, c'est être ensemble, c'est écraser ensemble, qui est-ce qu'il va le faire. Mais papa, ici, dans tout ça, qui côté nous y est et qui côté nous camper des Yévenes. J'ai nous dit, hein, je vais venir avec Pierre Espérance, monsieur qui lui-même, t'es déjà par réaction pâle, il montre que pour lui-même, mais qui s'est présenté comme tableau, réalité en face de lui. Il était dans l'émission et Gazette News avec Assad Volsi sur question Gazette Haïti. Là, lui dépend de 4 l'autre membre qui nous était si on indexé tous les trois dans le rapport. Si ILCC joue suffisamment soupçons sur tous les trois membres, qu'on y a oublié de 4 conseillers. L'un des 4 conseillers n'a pas les votants. Donc quatre. L'automatique, oui, c'est pour un jugement pour ça. Non, c'est fini. Donc vous avez dit 4 membres. 4 membres votants. C'est fini. Depuis le rapport sorti, il y a des soupçons avérés et pour 4 l'autre jour. A pchita avec trois l'autre dans la réunion, si c'est tous les trois midi, peut-être qu'il y a deux ou bien tous les trois, même je pense que c'est tous les trois, et de pouvoir avec vous mettre qu'on y mange comme l'ensemble. Donc, c'est eux qui vous êtes devant. Quand il y a ça, ça va le passer. Et l'avenir CPTA dépend de 4 mounes. 4 qui étaient eux. Mais il n'est pas obligé de jouer une décision. Il y a 4 là. Si c'est au 3, il est bon. Si c'est au 2, pas bon, mais si c'est au 3 qui est bon. Qui ça a fait? Pas oublier, après tentative coup d'État équipé de gars et été fait sous CPTA, nous sommes coup d'État 30 avril 2024, là, nous parlons de ça déjà. Côté que vous avez mis. Majorité dissoluble. Yeah. Et il prend temps, CPTA a une fond résolution. Dans la résolution, on vient mettre la majorité à 5, et puis après ça, c'est dans la même résolution ça qui vient gagner la présidence tournante. À 4. À 4. Et dans la même présidence tournante, il y a tout fixé date, qui est et mandat. Chaque monde a fini. A commencé et fini. Fini. Quand il y a un gardé scénario, scénario, qui ça vient pour faire? Faut Leslie Voltaire chita moun dans l'autre côté pour chita en Haïti. Après tout le temps, on va là, suspendre pour agir. Mais là? Non, moins de 6 semaines pour ne pas continuer. Il faut là, il faut être là. Pourquoi ça? Parce que il travaille dans CPTA. Depuis le n'y a pas de problème, il sorti, il prend soin. Depuis le n'y a pas de problème familial, un problème de santé, c'est pour être là. Même Jean-Tou,
avec ceci chaque semaine ou dans les à l'étranger. Donc faut qu'on y là à partir jeudi là faut que nèg faut que monsieur ça au 4 après 24 sur 24. Mais qui ça n'a envisagé plusieurs scénario. Edgar Leblanc arrêté. Non, impossible. Non, Edgar Leblanc pas capable arrêter. Il va capable arrêter. Non, bon tout fait bien Edgar, bon pour qui ça pas capable. Ah mais OK, tu me sigo pour qui ça. OK. Edgar Leblanc qui était ancien président Sénat, président Assemblée nationale et coordonnateur général, c'est titre ça numéro 1 OPL gain gestion Edgar dans tête et CPTA comme coordonnateur ou bien sous le président son gestion catastrophique Edgar. Oui Edgar, on va pas parler de corruption, on pas connait ça. Edgar tout ça ouais côté que ouais alors il va Edgar non vous voyez al ramasser l'argent, on ne sait pas ça non, me dit on pas connait Edgar corrompu. Ça Edgar fait Edgar m'a pour exemple qui a contre vous songez le monsieur Gary Conny t'est parti dans fin mois de juin et li parti fin juin là aller aux États-Unis et puis li et conseil avec ses par rapport avec le Gary Conny notifié il dit il pas de il va de voir oui conseil là prend une décision son base consensus. C'est comme si nous avons une décision qui prend à l'unanimité. Pour que nous voyons une lettre by et Gary Conny pour expliquer le type de voyage ça n'a pas fait comme ça sans et nous pas planifié avec conseil CPTA. Avec CPTA. Ou bien nous capable de dire sans CPTA pas approuvé. Et Edgar Leblanc pas envoyé lettre ça. Avant ça, un paquet de désordres et ministre affaires étrangères fait dans la diplomatie. Après, vague révocation a été fait, remplacer mon etc. On connaît la diplomatie, c'est sa constitution dit lui élever de la présidence. La présidence. Ouais. Et lui remplacer, changer mon, lui remplacer mon et conseil a décidé en conseil pour que il traite question pour corriger ça et garde par exemple suivi. Et Edgar par exemple fait suivi. Assad, Haïti, m'a dit non ça. Et Haïti, pour quelqu'un y en a CEP que mon pas de jambe connaît, qui pas bon, mon yo pas bon, puis faut la dedans et ou gagne pile chance pour aller tomber dans l'élection Kachou Bombe. Contesté. Qui est-ce qui va au CEP et conseil là, c'est Edgar. Ça le conseil électoral ça qui en fait. Li arrange li avec un observateur Frinel qui prend poste qu'il est un expert dans la question élection, mais expert dans voler, il t'a volé dans CEP, ITA, CEP et CEP Léopold Bélanger. C'est lui-même qui bail responsable chantier élection et puis pour chaque secteur il y a un paquet de problèmes. On va prendre un exemple. Secteur paysan. Oui, dit monsieur Volet, mais c'est un gros bagage. On va prendre monsieur Volet. Est-ce que vous avez un peu monsieur non, bah, qui passe ça dans le CPTA? Oui. Dans le CEP? Oui. Bélanger? Oui. Bravo? Oui. Oui. Et jusqu'au n'y a soit elle fait audit ou à une tration. Mais c'est Haïti. Si elle fait audit, il y a une tration. Écoutez, on y a c'est lui-même qui a un chantier. Hein? Et il fait des ordres dans le secteur. Et pour le mettre dans le secteur, il faut un deal avec eux qui s'en prennent. Oui, tout. Ok? Et c'est ça qu'on voit, par exemple, dans le secteur paysan, ça n'est pas bon. Il n'est pas bon. Mais il y a bon Jacques Seyss quand même. Ouais, etc., etc. L'autre secteur, des autres dans le secteur, pas non, même pas parler des bases encore, etc. Qu'on y est là, Edgar Leblanc, nous, ou pas de monde, toute institution, organisation, cap d'eau, et je ne parle pas de n'importe organisation, non? Voyez des documents, voyez des lettres, pas jamais acquiser réception. C'est-à-dire que Edgar n'a pas un secrétariat qui a fonctionné. Assad, je ne peux pas compter combien de lettres. RNDD a voyé entre 8 à 9 documents par CPT. Je ne parle pas de lettres qui ont été élections, je ne parle pas de documents qui concernent CPT.
aucune réponse. Premier ministre n'a pas eu réponse dans toute parole. Et les doux, mais qui m'ont capté à travailler sur. C'est sous bazar, vous pensez que monsieur. Non, m'a fait plusieurs analyses. M'a fait plusieurs analyses. Mm-hmm. M'a fait plusieurs analyses. Considérations. Considérations. M'a fait plusieurs considérations. Edgar, n'a rencontré Edgar Leblanc. Moi, en plus, on a battu bravo pour Edgar Edgar Leblanc. Et Nations Unies. Oui, c'est bon bagaille. Oui, moi, je pensais qu'il y a des bagailles qui disent qui bon. Mais c'est pour aller réunir avec Edgar Leblanc pour dire comme ça qu'il faut que bon bagaille qui fait dans Petro-Caribé. La manjou. Il va faire. Non, non. Nous rencontrons avec lui pour nous poser plusieurs organisations de droit monde, nous poser problèmes qui gagnent, mais qui côté Petro-Caribé. Et c'est plutôt Caribé qui mène nous, je dis, nous avons posé problème, la justice. Nous disons, mais, nous disons comme ça que, et Fok, il a parlé avec le ministre de la justice, là, et pour le ministre de la justice, parler avec le commissaire gouvernement chef, parce qu'on est commissaire gouvernement, il dépend que c'est dans la première instance, dans la cassation ou bien dans le coup d'appel, il dépend du gouvernement, ministre de la justice, là, pour parler avec le commissaire gouvernement chef pour cassation. Pour yo capable de faire avancer le dossier Petro-Caribé, que yo dit dans la cour cassation. Il dit ça pas la donne. Il dit ça pas la donne. Alors, on en a bat bravo pour l'institution, d'accord, c'est bien, il parle, mais il parle dans Petro-Caribé. Il parle la donne. Mais pour qui ça? Ah, c'est lui-même qui est capable d'expliquer ça. Gagnons un paquet de décisions, que Edgar prend, l'hypothèse. Pour contre, hein, l'hypothèse dans le Conseil des ministres, c'est les mêmes CPT ouais, et ça a un agenda. Qui va en connaître? Ah bon? Oui. Alors que c'est des bagages qui pour discuter dans le Conseil là, parce que lui-même c'est la coordonnée pour le Conseil là. Mm-hmm. Ça veut dire le Conseil là prend décision et soit majorité a fait, disons, le Conseil a fait une bonne décision, lui-même ça a rien pour le faire, lui doué et fait suivi. Pour assurer lui que yo appliqué il y a un suivi qui fait sur question de décision au conseil là depuis li bagay la pas en faveur lui li bloqué. M'a bon autre exemple là nous figuier au niveau PYDH ça a passé dans secteur droit un problème sur les sociétés et puis bon réunion nous fin faire avec Edgar. Edgar dit comme ça que mais j'aimerais bien là nous pas capable avancer avec ça comme ça faut que nous gardions problème faut garder réunion en fait dans lundi et puis dans mercredi tu as un conseil des ministres qui pourra le faire conseil des ministres il vient pas faire d'accord laisse ça nous en commencement au mois de septembre. Et puis la veille la m'a dit et puis moi dit nous rencontrons hier lundi. Mais nous apprenons que CP a pas formé avec 9 membres. Ça qui passe. Et la parole de la téléphone, il dit c'est ça, la majorité a décidé dans le conseil. Là. Bon, c'est normal. Mais pas de vrai. Et pas de vrai? Non. Mais il prend une décision pour compte. Il prend une décision pour compte. Ça, c'est sous bazar ou quoi que. Non, non, sous bazar. Sous bazar ou quoi que. Oui, parce que. Ou est-ce que c'est parce que Mandal. Fini. Non. Il faut aller. Assad. Ou c'est parce que il fait faute ou bien mal géré. Assad. Ou Assad. Ou bien style Assad. Mal géré. Assad. Il n'est pas bien géré. Tout désordre qu'a fait. Tout gens ouais et gouvernement, que c'est premier ministre ou bien ministre affaires étrangères, a piétiné conseil là, a entré sous prérogative conseil là, c'est avec complicité. Donc on dit que s'il te fait tout bagarre bien, ou vous dites que t'es carré. Non, si Edgar les blancs, Edgar les blancs, c'est quand même une figure. C'est un monde qu'on pas jamais entendu l'impliquer dans ce scandale. Dans la corruption, ouais, tout ça m'a dit là, m'a qu'on est Edgar dans la corruption. C'est pas au pays par contre monsieur. Exactement. Mais moi dit dans niveau leadership, pas rien et lui c'est toutes des ordres qu'a fait dans la diplomatie, toutes des ordres et que gouvernement fait. Li la donne sort avec passé et Nations Unies avec des délégations lui même responsable et m'a dit où moi-même m'a dit d'abord que les Voltaire qui est le président qui est pour qui ça vous les Voltaire t'as quitté pour Edgar Leblanc
qui est-ce? Vous avez dit que vous n'êtes pas cas, le non, passé Smith, par oui, exemple. Oui, mais il n'y a pas ça problème dans tout. Vrai problème dans tout. Bon, j'aimerais dire... Désir, vous avez dit tout parole Pierre Espérance, mais finalement, Pierre Espérance est dans la vente de Bertrand Lier lui-même. Pierre Kaka tout bête. Pierre n'a pas de parler parce que Jean-Pierre a décortiqué, a montré exactement pas A plus B. Mais côté problème n'en sorti, mais côté problème n'en est, mais ça fait problème n'en, mais ça fait ci, mais ça fait ça, mais ça bagaille. Et ça montre que ma clé que est-ce que ça Pierre dit ou c'est vérité ou pas? Que bon, moi-même, m'pa nan secret de Dieu, bien m'pa un acteur qui sous scène avec yo, qui nan réunion avec yo, kap chita avec yo, pour m'connaître est-ce que c'est vrai ou pas. Mais ça que moi-même ka essayer comprendre, ka essayer garder, c'est ouais exactement bien que situation lui-même il paraît très compliqué. C'est ouais que vraiment j'ai que situation paraît très mangon, mais que donc jodi an là les que nous garder infonigé pour nous ouais ça qui là ou ça qui existait là journée jodi an nous dit que et qui avenir pas qui avenir pour exécutif là qui là baba nous menti. Parce que déjà, toi conseiller, ça va venir fragiliser ce conseil. Parce que la question qu'a posé, est-ce que le conseil a dû craser? Est-ce que trois membres ont démissionné? Qui s'accarre comme Raldi? Et est-ce que est prêt à remplacer de trois messieurs ça? On a vu un paquet de questions qu'a posé. Ça, c'est où? Mais ça, c'est pour capter. Mais dans le cas du gouvernement connu, nous avons une bataille là, côté que il y a des décisions que KPT apprend et qu'on y montre à clair que bagarre pas qu'a fait comme ça. Et décision claire. C'est dans quatre convocations ministre et Dominique Dupuy. Ouais, comment que PM connu dit non, hein, pas comme ça. On pas qu'a convoquer un ministre que lui-même le sous tête lui et puis pousser un chef cabinet un conseil qu'a signé en balette là. Gon vise de forme dans ça. Il dit comme dans le conseil des ministres, dans le jour là, bah, on est vendredi ou bien samedi, ça l'est, mais dans le conseil des ministres, ça a discuté. Elle dit là, qu'on est clair. Qu'on est campé derrière des ministres. Et qu'on est monté. Son ministre? Hein? Son ministre? Yes, voilà. Et normalement, tout c'est qu'on est chef gouvernement. Et qu'on est monté exactement que Gélébaga Capo comme des décisions pour une bonne gouvernance, c'est la présidence et la primature. Que c'est pas parce que et ministre là OK ben pour vous décider convoquer le comme ça parce que pas oublier les si votre était dit les que était pour humiliation dans bah comment les Nations Unies il était dit que qui va le couper elle dit qu'on est bien que convocation et madame Dupuyen les si votre de elle elle dit pas était pas sur ça non mais qu'il y a est-ce que c'est dans tellement pour montrer comme si et ministre pas rien bagasayo et nego pas tenir compte de Sanga Babrilé et formalité, hein, je que ça doit être fait. Mais sinon, bagarre va compliqué. C'est ouais que profit cap glissé là sérieusement en Mbappé KPT hein, et que profit cap glissé sérieusement là tout en Mbappé PM non. Et dans jour cap venir là yo, là que vous Noël, après lui désir. Gen en réalité et qui peut gagner cap vu là, gen nèg qui dit que si yo camper au centre si le conseil a crasé, il n'a pas perdu. Si c'est Gary Koné qui vient venir en mettre. Gomba, comme ça, qu'a passé dans ton fait là. Moi-même, je souhaitais que le peuple a très prudent dans ce qui a fait là. Qui permet que c'est dans l'espace côté et y a gagnant pour le campé. Qui côté y a gagnant? Jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'à fixer position, nous pas qu'on est. Parce que, quel te Koné, quel te conseil présidentiel de transition, il était venu dans une situation que personne n'a pas accepté. Parce que yote ou elle pas légal, pas constitutionnel, pas populaire. Et de fait, comme c'est pas nous qui j'en prenons décision pour la République, eh bien, moun qui habitué prendre décision pour la République, yote décidé de prendre décision pour la République d'Haïti. Yote continué à faire chimère. En pile moun te souhaité yore ici, et qu'on s'attouge, en pile moun qui te déjà ouais, échec yote, les personnes. Parce que analyse yote très claire. Y a les de la famille, y aller dans la collectivité, y a été ça pour la marcher. Parce que vision, objectif, philosophie, courant d'idées, il n'y a pas de gens même à travers neuf mounsa qui étaient en dedans conseil présidentiel de transition. C'est vrai, on te présenté comme une structure, comme un projet mosaïque et multiforme.
et bien des multiformes, non, ils pratiquement abordent des résultats multiformes. Si vous êtes d'accord rentrer là-dedans multiforme, et bien résultat qui a venu, ou pas, vous pas capable que vous êtes l'autre gens. C'est multiforme qui a pied. Chaque groupe mon yo, il a décidé de prendre décision, il a décidé de faire affaire par yo, qui a un intérêt. Et jusqu'à présent, vous pas songer que architecte Lessie Voltaire, comme conseiller présidentiel, il te dit que conseil présidentiel transition a fonctionné normal. OK? Il a fonctionné normal. Il n'y a pas de pièce contrainte malgré scandale, corruption qui gagne. Est-ce que à partir du travail ILCCA, contrainte qui va commencer à venir, parce que vous pas senti bien volonté pour monsieur démissionner. Songez te gagne des dénonciations qui te fait quoi que négocier demander forte somme d'argent pour te démissionner. Parce que si il y a un conseil présidentiel transition, il pas appartient avec personnalité, il appartient avec parti politique ou bien structure qui veut la représenter là. Et ouais, gain divers dans structure qui fait demande pour demander monsieur pour quitter conseil présidentiel transition jusqu'à présent aurait été traite. Et Smith Augustin toujours été convaincu Blaise 7 octobre qu'a vinn là la prend siège comme président coordonnateur conseil présidentiel transition. OK? Malgré les soupçons la justice qui sous donne. OK? Les blier comme mot dignitaire. Et Blaise, on est qui fait monsieur là pratiquement fait office la présidence depuis lors qu'il a été décidé quitter et LCC tendez peut-être tout démissionner. Parce que dossier ça qui vient pour avec question la présidence, nous t'a parlé dans haute cour de justice. Haute cour de justice est composé de chambre chamba, le parlement. Parlement n'est pas existé. À partir de ça monsieur Tédoué tout connaît qui au pas de place là et comme président. Bon, comme c'est gagote, c'est le gandaille, tout ça qu'a fait que là c'est bagaille qui non constitutionnel. Il a continué à avancer dans des rives, dans le gandaille qui a décidé de faire parce que son pays comme ça et tout ça qu'a fait là yo, mettre esclavio d'accord, mettre esclavio dit c'est correct parce que faut qu'il y ait une division dans champ qui ca permettre que mettre là lui-même les content. OK? Qui ca permettre que mettre la jeune la joie, qui permettre que mettre la faire bénéfice. Cette division ça ouais qui bon pour. Parce que toutefois que nous unis nous, lui permettre que au gain doute sur bénéfice que au cap fait sur trafic de toutes sortes qui a fait dans le pays. OK? Et c'est eux même qui conduit ça ouais qui vivra la situation. Le jeu avec ou pas ouais avec facilité Raoul Pascal vient lui quitter pays avec facilité lui même avec famille pas connait sur résidé déjà avec facilité lui quitter Haïti parce que le fin fait job ça là c'est ton mission. Est-ce qu'elle pourra facile pour extrader Raoul Pierre lui ancien directeur ancien président conseil d'administration de NCA ou venir en Haïti comme yo mandel n'a prétend procédure qui pourrait aller vers la diplomatie c'est vrai il c'est mandel. Ou jusqu'à présent, l'été, on bagaille qui dans l'air. Est-ce que diplomatie a adopté pour faire des marches, ok? Pour faire des marches diplomatiques qui demandaient pour conduire tout ça dans le pays pour venir répondre à une question de la justice sur question ça. Et c'est le bagaille qui lui est puni. Parce que c'est image tout haïtien que M. Damsao entend que vous avez fini. Parce qu'on est qui dans le conseil présidentiel. Il fait office président. Il représente. Parce que je fais partie du peuple là. OK? Quel que soit le côté privé, il a dit bon, c'est haïtien. Oui, c'est haïtien. Président, on en a volé. Nous pas qu'à sérieux. Et ça, on a une autorisation avec un ensemble de pays, quel que soit dans le Caraïbe, quel que soit dans toute l'Amérique là, ou bien de l'autre continent, ils continuent à piétiner, continuent à ne pas rien valer, continuent à ignorer ce qu'ils construisent comme peuple. Parce qu'il y a une autorité qui est d'accord, rentrer dans toute bagaille qui démêche, dans tout ça que le monde a goûté contre le monde a goûté contre corruption, et puis vous avez une autorité qui rentre dans la corruption. Le monde a goûté contre instabilité politique, a goûté contre insécurité, ou jeune ancien avec autorité actuelle qui n'a pas ressources avec les qui gens qui continuent à terroriser mon dans le pays. À partir de yon révolte, Blaise n'a sorti dans ça, que peuple haïtien li bay directive. S'il n'a pas donné, nous dit mais qui ça que nous mettez comme balle? Madame Dominique Dupuis. Elle dit Madame Dupuis pas que one pot la fait monsieur Upton comme chaque semaine gè conseil des ministres ou dit moi est-ce que oui réunion de travail entre conseil avec gouvernement mais y a Upton vendredi cap et ça là. Et pour yo,
Chita parlé avec madame Dominique Dupuis. Bon ben qui dit ça n'a pas cherché à nous joindre lui. Et ça n'a pas cherché à nous joindre là. Ça que capeté a cherché à joindre lui. Et ça que Jacques n'était songé. Yonekta Kou, lui Gérald Gilles, monsieur te crié sans te crié la rime, monsieur crié sans crié la rime, lesquels te invité dans l'émission Le Point sur Métropole, avec Wendell Théodore, monsieur dit que, après plus que 30 années qu'il mettait au service de pays, comme sénat, ancien sénateur, et comme médecin de son état, et c'est ça que yo bali. Il t'a crié. Il t'a dit que bon, j'ai preuve. Eh bien, est-ce que Kounia, les que lui Gérald Gilles, t'a allé pour une question qui était ULCCO, est-ce que preuve que le montre yo, est-ce que pas suffisant? Est-ce que vous pas kembe? Yeah. Est-ce que preuve que le montre yo pas suffisant? Est-ce que preuve yo pas kembe? OK? Par rapport avec ça que t'es dit en lui-même avec ancien président conseil administration BNC hein? Monsieur Raoul Pascal Pierre lui. Et dans même rapport ça dans page 12 rapport ULCC mandé puis yo maré tan kou krab ancien président conseil administration BNC hein? Monsieur Raoul Pascal Pierre lui côté le caché États-Unis hein? Puis yo pimpel fait rentrer en Haïti parce que il pas gué droit pas aller répondre question autorité ULCCO li pa gen droit a maron autorité haïtienne yo et ce point ça ULCC mandé avec les États-Unis puisque c'est là comme information que yo gagnent que monsieur Raoul Pascal Pierre lui a le caché pour pas répondre question enquêteur ULCCO mais yo mandé avec ULCC et ULCC mandé avec autorité américaine yo tant pris s'il vous plaît bay un petit bourade pour yo traîner maré kou krab fouqué monsieur Raoul Pascal Pierre lui mené en Haïti et comme moi songé avocat Raoul Pascal Pierre lui hein Maître Sonnet Saint-Louis, l'idée dit que client l'a prêt pour faire s'en aller en confrontation directe avec trois messieurs Sayo. En parlant de Smith Augustin, lui Gérald Gilles, Emmanuel Bertillère. Mais avocat Raoul Pascal Pierre lui, hein, Maître Sonnet Saint-Louis, l'idée dit que client l'a pas en sécurité. Li pas senti que client là en sécurité et c'est raison ça qui fait que client là pas cap présenter devant enquêteur ULCC ou ça le dit mais est-ce que son raison tout pour monsieur qui était pays est-ce que c'est une raison tout pour que Raoul Pascal Pierre lui t'ait sauvé qui était pays pour t'aller cacher à l'étranger il a dit ni Raoul Pascal Pierre lui ni trois conseillers en parlant de lui Gérald Gilles, Emmanuel Bertillère et Smith Augustin, yo tous les quatre là, yo pas sérieux, yo coquin. Et gon question de abus autorité, abus de fonction disons. Avait dit ni trois conseillers yo qui quoi ces trois présidents, yo qui pouvoir de révocation, yo qui pouvoir de nomination, yo joué sous ça et ni Raoul Pascal Pierre lui tout comme ancien président administration BNC, hein, qui a pouvoir de débloquer, bloquer ou pas, et il connaît que le carré tire l'argent, et bien pour le bain, yo, tous les trois, c'est trois volants.
Il y a tous les quatre, pardon. Il y a tous les quatre, c'est quatre mimimiaou. Faut dire bagarre la clé. Il y a tous les quatre, c'est quatre mimimiaou. Il y a tous les quatre, c'est quatre volants. Ça veut dire, je dis, hein? Il y a tous les quatre, je prends même ça. Tous les quatre, je prends même ça. Parce que c'est quatre volants. C'est quatre à tout faire. C'est pas seulement trois consœurs qui se braquaient. Mais Raoul Pascal Pierre Lutou, il se braquait tout. Parce que s'il acceptait, eh bien, pour le théâtre qui est en connivence avec Negio, lui-même tout, les gars, pas que tu as réglé. Parce que le théâtre doit dire, Negio, l'elle signe, elle écrit. Il dit que doit dire comme ça que OK, Manego 20 000 $ alors que l'elle signé, il dit que le Manego 25 000 $ et l'elle a Manego 20 000 $ que lui même tout, l'a sorti avec 5 000 $ en plus. Ça veut dire tous les cas c'est 4 volants. C'est 4 volants, 4 coquets, 4 mesdames. Et c'est là m'gal garder pays ça. Est-ce que qui monde la donne? C'est là m'gal garder pays ça. Est-ce que monde qui soit disait les têtes autorité? Est-ce que autorité vraie? C'est l'âme qui a regardé ça. Et Kounia, qui prend l'avenir conseil présidentiel transition? Ah oui! Qui prend l'avenir conseil présidentiel transition? Parce que si, non, moins que 5 jours, que Smith Augustin t'a dû remplacer Edgar Leblanc fils comme conseil présidentiel n'a que ce président tout notre que négoté metté n'a que ce conseil là et ben kounya si gen ULCC mandé pour mettre action publique en mouvement contre et Smith Augustin ça veut dire automatiquement Smith Augustin pas qu'à président conseil là encore automatiquement Smith Augustin li pa ka président conseil ça encore. Éclair. Et tous les trois conseillers ça yo, yo pa dwe fè partie conseil là encore, li automatique. Parce que le fait que gen doute et la justice pral enquêter sou ou pa capable rete à même titre autorité encore. Bagala clair. Y'a la clé. Hein? Yeah. OK? Le fait que autorité ULCC li mandé avec autorité judiciaire yo pour y mettre action publique en mouvement. OK? OK? Li mandé pour mettre action publique en mouvement. Quand trois conseillers ça yo entre quatre moun ça yo, trois conseillers yo qui automatiquement pas conseillé encore. OK. Trois conseillers ça automatiquement yo pas dû faire partie conseil là encore. C'est bon. Trois conseillers ça yo qui c'est Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertilaire, Smith Augustin, Negio, pas de faire partie conseil présidentiel transition encore. C'est fini, point barre. C'est fini, point barre. Et là tout, est-ce que conseil présidentiel va te craser? Est-ce que conseil présidentiel, non? Est-ce que le pas de tout craser? Faut regarder bagarre là bien. Et me songe les Steve Voltaire te dit c'est soit conseil à démissionner ou dis-moi ce que cas de force majeure si m'a trompé. Fais-moi le bagarre il te dit encore là. Oui.
scandale, comme si des scandales de corruption avéreux, comme si des preuves pour eux. Elle dit là, nous comprenons? Est-ce que c'est Leslie Voltaire qui va le remplacer Edgar Le Bluffis? Est-ce que c'est Fritz Alphonse Jean qui va le remplacer Edgar Le Bluffis? Est-ce que c'est Laurent Saint-Cyr qui va le remplacer Edgar Le Bluffis? Est-ce que Edgar Le Bluffis a arrêté jusqu'à ce que soit 10 ans il est capable d'organiser l'élection? Par contre, qui ça va le passer? Qui a venu capéter? Moi, je m'avais dit, avenir, trois conseillers, c'est trois nexos déjà parlé encore. Trois nexos, après rapport ULCC, ils parlent encore, ils ne pas conseiller encore. Elle dit, l'automatique, elle dit, c'est du passé, c'est au passé que nous allons commencer à parler de l'UGL Gilles. Nous allons commencer à parler de Emmanuel Ventilaire. Nous allons commencer à parler de Smith Augustin très bientôt. Parce que, quel que soit Jean-Lié, mandé pour que action publique en mouvement contre Nexayo, il dit clairement que, ok, il dit clairement que trois Nexayo, yo pas rete dans le conseil là encore. Même pour t'amener une enquête sur yo, mais pour la justice t'attendre yo, yo pas arrêté avec même petite fonction conseil présidentiel encore. Eh, ma kon, on est sacté dit dans le 3 avril. Est-ce que y a question d'humanité? Bon, il n'y a pas dans le Parlement. Ma kon, il y a question d'humanité, bah oui, mes amis. Ma kon, il y a question d'humanité. Eh, ouais, bon. N'est-ce que tu as fait pour voir le conseil, ça, yo? Ouais, ou convoqué. C'est comme quand on a dit, c'est les Parlements haïtiens, yo convoqué tel ministre. Yo convoqué tel directeur. Yo convoqué tel premier ministre. A dit tellement senti que pouvoir de convocation, oui, il n'a la présidence. Mais qu'on y a là, qui la présidence a parlé? Qui la primature tu a parlé? C'est même coquin yo. C'est même mettre dame yo. M'le qui ne comprenne ça. Quel que soit la présidence, quel que soit la primature, ok? Ok? C'est qu'on y a pris le goumen. Et qu'on y a pris le goumen. Et bon, li, et ça qui dit, dans le rapport, non, by ULCC. Dossier ULCC, bon, garde. Ok. Bon, mine avec là. Ok? Ok. Bam dit nous ça le dit. Rapport ULCC, hein? Alors, en résumé, en grosso modo, les malins dans le rapport, hein? Dans page 12 rapport, qui ça le dit? Sur le plan pénal, ça veut dire, là, nous avons aspect avec question de la justice. Ok? Pénal. Et vous dites pénal, ou en affaire avec la justice. Et ça fait nous dit que ULCC mandé pour marrer trois conseillers. Parce que mandé mette action publique en mouvement, eh bien, c'est parce que ULCC trouve que bon, j'ai preuve. Et preuve ça yo, yo palpable, tangible. Eh bien, yo doit agir contre trois conseillers ça yo. Et directeur général ULCC, hein, monsieur Jacques Hans Luidich Joseph, li mandé pour États-Unis mette Interpol derrière Raoul Pascal Pierre-Louis. Parce que pas oublier que Raoul Pascal Pierre-Louis, monsieur États-Unis, a dit monsieur Dekret allemand, on va le cacher. Eh bien, moyen qui capable faire yo prend Raoul Pascal Pierre-Louis et tourner en Haïti, li parle que Interpol. A dit Interpol pour qu'elle cherche Raoul Pascal Pierre-Louis, tant que t'es sec qui besoin l'appli aux États-Unis. Mais comme le général Gilles, Smith Augustin, Emmanuel Bertiller, n'est-ce pas qu'il a voyagé, n'est-ce qu'en Haïti, qui donc, la justice haïtienne, la police haïtienne, absolument prêt à le prendre, et puis c'est tout fini. Et c'est là que je vais regarder, c'est là que je vais suivre. En Haïti, il y a une pratique, il y a un vocabulaire, il y a une phrase qui est souvent répétée, les que il y a des dossiers brûlants, dans la justice, vous allez me dire,
l'enquête se poursuit. Est-ce que enquête ça pral poursuit? Ou dis-moi, est-ce que dossier ça, je pral faire mais l'anti ou à la justice? Parce que, franchement, on m'a bien. Il y a doit prendre décision, révoquer trois, vous êtes en aigu aller, puis, bagala tout close. Bagala tout close, c'est fini. Vous comprenez? Il y a qu'à prendre décision, ok, pas de problème. Comme trois nexa épinglé, nexa impliqué dans ce qui est de la corruption, ok, nous révoquer, mais après ça, dossier a fermé. Dossier a close. Pas rien qui dit encore. Et pas oublier. Dossier ça, a bien là, moi, là, non. M'songe, président Jovenel Moïse tout bagay, lè ke l'te nan avion ta voyage avec lèk yo, nan ke son kouan, nan yo di président, il va y avoir mort d'homme. Président, il va y avoir mort d'homme. Eh bien, ouè dossier ULC c'est ça, dossier BN c'est ça, moi-même, et pas ça m'a prôné, non, même intuition m'dim, il va y avoir mort d'homme. Il va y avoir mort d'homme en un magasin. Et l'homme dit mort d'homme non avec grand tâche. Elle dit fille à la fois garçon. Il va y avoir mort d'homme, fille à garçon. Dans dossier scandale corruption ULC ça. Et BNC ça pardon. Et qui a pile vote qui commence à bouillir. Qui a pile vote qui commence à bouillir. Parce que j'ai mon dit, gon diarrhée de yon là. Gon diarrhée de yon là. Avec dossier, rapport ULCC. Mais ma blême dit non ça. Raoul Pascal Pierre, lui, y a marié monsieur. Raoul Pascal Pierre, lui, y a marié Interpol, y a marié monsieur États-Unis. Y a pimbe monsieur Haïti. Parce que ULCC mandé ça. ULCC mandé pour marier monsieur, fouquer monsieur et voyer en Haïti. Parce que c'est dérespectant, il est dérefusé pour pas répondre question enquêteur ULCC, il suit autorité en Haïti. Mais demandé monsieur, ULCC demandé pour marier monsieur et quelque soit côté interpelle jeune monsieur, marier monsieur et vous en Haïti. OK? Et j'aime dire hein. Laissez me dire non. Moi-même, clair. Conseil ça. Soit que le crasé net, ou bien, ça qu'a fait là, on fait avec. Parce que lui déjà pas inspiré confiance. Quel que soit l'autre membre qui était, conseil présidentiel transition ça, lui pas inspiré peuple haïtien en confiance. C'est fini samedi. C'est fini samedi. Pas un débat sur ça. Mais kounya, est-ce que vous pouvez le craser pour quitter Gary Kouni dirigé en maître seigneur? Il a vraiment désordonné. Et pour dégâts, Ariel Henry se fait là comme président, premier ministre, sénateur, député. Ariel Henry était tout. Comme si la pondéral font contre Gary Kouni réunit en maître seigneur. Ah, mon cher. Il y a un problème. J'ai un peu de monde Gary Kouni c'est sous bluff campé. En plus, on a pour que Gary Kouni c'est sous bluff campé. Il dit là, pour être capable de quitter Gary Kouni à diriger un maître seigneur, président, premier ministre, ministre allié, et bah, la table difficile. Peuple, il ne pas prendre deuxième coup d'Ariel Henry. Peuple, il ne pas prendre un Gary Kouni comme un coup d'Ariel Henry encore. Non. Ariel a déjà fait que pendant 32 mois. Ariel a déjà fait que l'écrasé pendant 32 mois. Et Ariel pas dit en face. Je dis là, même les conseils là t'as gagné des crasses ou bien t'as fait ça faire avec là et pas que mon gagné des pour quitter Gary Kouni a dit jamais être seigneur. Mais comme ça. Idée ça mon loin de lui. Hein? Mon pas partager l'idée question pour Gary Kouni a dit jamais être seigneur là. Mais nous on est bien. On bon division là. On gros division là entre Gary Kouni avec KPT. Et Dégué Paul qui t'a dit, lui Gérald Gilles même mandé pour révoquer Gary Kouni pour craser le gouvernement ça. Petit dessin ligne clairement dit, il n'y a pas de question pour révoquer comment? Révoquer Dominique Dupuyen. Parce que sinon, c'est révoquer tout le gouvernement. Et il y a des gens qui disent que
c'est pas Dominique Dupuis pour ta couper tête li, c'est ta tête Gary Conille. C'est pas ni et ambassadeur Haïti dans Washington sali en New York qui vous t'a révoqué, c'est ta Gary Conille qui vous t'a révoqué parce que c'est lui même qui enlève tête tous les démons ça. C'est lui qui bail l'ordre. Les démons sont exécutés. Et il y a qui dit tout. T'a révoqué Dominique Dupuis, pas révoqué Gary Conille. Est-ce que ça part son lâcheté? Et révoquer Gary Conille, c'est écraser le gouvernement. Go pas quel va qui la. Go pas quel va qui la. Moi, je ne vais pas mesurer. Go pas quel va qui la. Moi, je ne vais pas mesurer. Comme si moi, je ne ignore. Go pas quel va qui la. Moi, je ne vais pas mesurer. Moi, je ne vais ignore. Moi, je ne ignore. Mais gardez paramètres qui existent. Gardez un jeu qui existe. Et même après tout ça, pays après elle tomber dans des ordres. Pays après elle tomber dans véritable désordre. Puis après elle tomber dans véritable vacam. Rale créer un nom qui ça. OK? OK? Yeah. OK? Rale créer nous marquer ça. Pral gen véritable désordre qui pral gen désordre qui pral vini là qui me pas souhaité. Mais c'est sous la nuit là. C'est sous sa nuit là. Déjà toi conseiller ça yo, yo pas ka faire partie conseil là encore. Parce que gen soupçon de yo. Et pas soupçon non, rapport sorti. Il est demandé pour la justice agir contre nek sa yo. Que donc ça veut dire si on demande pour la justice agir contre, avait dit négo pas clair et si au pas clair pas qu'un conseil encore qu'on y a et a venir conseil là avec qui ce président tournant là parce que dedans négo j'étais dans président tournant là qui c'est Smith Augustin qui devrait remplacer Edgar Leblanc le 7 octobre qui a venir là et Louis Gérald Gilles c'est après le dernier conseiller qui devrait gagner ça les tête conseil là dans mille pour être capable même river dans organiser élection. Donc je dis là qui ça peut passer. Je dis là qui avenir conseil là. Pour moi même, m'ba avenir conseil là. Et le bagage encore pour me dire bien avec causer ça pour me garder bien avec nous. Ça dit hein. Meni. Dé bien. Page 12 rapport ULCC. Sous plan pénal. USCC mandé pour mettre mouvement action publique en mouvement. Haïti pour la justice agit contre Mounsayo Smith Augustin représentant Red aidé à compromis historique. Emmanuel Vertilaire représentant Petit Dessalines. Docteur Luger Agile représentant à 21 décembre pour abus de fonction, versement de pots de vin, l'argent illégal et corruption passive. Conformément à disposition article sa yo 7.5, 7.6 et 11 loi 12 mars 2014 portant prévention et répression de corruption. USCC mandé pour mettre action publique en mouvement contre monsieur Raoul Pascal Pierre lui pour entrave au fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pots de vin, corruption active, fait prévu de la fait prévu et puni conformément aux dispositions des articles 5.5, 14, 21 de la loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Elle veut dire, il a trouvé que Raoul Pascal Pierre lui, monsieur, l'y impliqué dans la corruption en tout parce qu'il a accepté pour le débat avec l'argent. Et l'y désobéi avec demande de la justice, demande d'autorité haïtienne. Parce que tout le monde a demandé, monsieur, pour le capable de venir présenter devant enquêteur ULCCO, il a été mettre devant la voile. Il a l'air qui débéit. Il a été à Haïti. Il a caché là-bas. Eh bien, avocat la pédé balan pile à toute radio.
avocat et Raoul Essaman, sur Saint-Louis, tenait celle qu'on chantait dans toute radio, toute émission. Et mettre Raoul et Sonnet Saint-Louis, a vu que le client n'a pas en sécurité, le client n'a pas en confiance, il a besoin de sécurité, mais il est à quitter Haïti. Et encore ULCC a demandé pour mettre Action publique en mouvement contre un certain de Lonick Léandre pour instigateur. Vêtement pot de vin, l'argent illégal, fait prévu et puni par les dispositions de la linéa 2 de l'article 7.6 loi 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption. Demande d'extradition. A demandé côté monsieur hier Raoul Pierre Pascal Pierre lui pour faire monsieur rentrer à Haïti par autorité judiciaire compétente pour être capable de répondre ensemble de ça que reprochait lui. Conformément avec disposition article 14 convention intérimaire interaméricaine contre corruption CCICC 43-44 et suivant convention Nations Unies contre corruption CNUCC traité extradition qui existait entre pays d'Haïti et États-Unis d'Amérique article 1er loi 4 décembre 1912 sur extradition criminelle fugitif. Notez bien, publication ça les conforme avec article 9 décret 8 septembre 2004 qui est pour avec création ULCC. C'est ça. ULCC mandé pour Marie pour d'abord mettre Action publique en mouvement contre trois nexayo, OK? Et deuxièmement pour que yo gérer pour quel que soit côté monsieur Raoul Pascal Pierre Luyer pour yo maril et pimpel en Haïti pour la répondre question autorité yo. Mais j'aime dire hein, Jean que dossier présenté là Jean que bagala est là conseil ça son conseil n'a posé question qui avenir conseil présidentiel transition et pas oublier en pile voix t'es déjà levé. Et l'aime dit voix, m'a parlé de ancien autorité dans l'État, soit de ancien premier ministre, de ancien ministre, de ancien sénateur, de député. Yo t'es de ces deux gros dirigeants de partis politiques. Yo t'es déjà levé voix yo pour yo dit que question mettez 9 moun ensemble dans tête au pays hein. Et côté chaque moun sa yo, yo sorti dans une chapelle politique. Chaque moun sa yo, yo sorti dans un horizon différent. OK? Dans un chapel politique, yo sorti dans un horizon différent. Comment ou pral comprendre que pour que 9 moun sa yo ta ka tombe d'accord? Comment pral comprendre ça? Comment pral d'accord ça? Comment pral comprendre ça? Comment pral d'accord pour que 9 moun, OK? 9 moun que yo même yo décidé puis yo ta tombé d'accord. Alors que gen moun ki ale ki font ti rappel, yo di que gade pou wè. Nan question municipalité yo, magistrat yo. Ou konn wè? Que trois moun seulement oui. Yo pa ka entendre yo. Entendez, premier membre, deuxième membre, troisième membre, quatrième membre, cinquième membre, sixième membre. Y a goumé entre yo. Alors, ce que nous pensons, 9 personnes pour tomber d'accord pour accepter de diriger ensemble. Comme si pour l'idée aller dans seul chemin, pour l'opinion aller dans seul chemin. Et pas oublier, 9 conseillers, ça y est, pour ne pas dire tout, mais qu'il n'y ait pas 5 à 6, y a c'est de politiciens. Combien ça me dit? Il n'y ait pas 5 à 6, y a c'est de politiciens. Le fait que c'est des politiciens, ils n'ont pas jamais tombé d'accord. Edgar, ancien sénateur, dirigeant de parti politique OPL. OK? Leslie Voltaire, ancien ministre, ancien candidat à la présidence. Goma parti Lavalas. Vous comprenez? Fritz Alphonse Jean,
ancien gouverneur de la Banque centrale. Mais map Aqua Montana. Okay. Bon, Emmanuel Vettiler, bon, je ne sais pas si c'est un politicien vraiment, mais strictement, là, bon, quand même, son strict qui a fait gros politique en Haïti. Petit dessin de Charles Moïse. Smith Augustin, je ne sais pas si monsieur son madri en politique, mais monsieur, il représente trois estricti qui vient de grands. Nèg de politiciens avérés red et des compromis historiques. Le prof Frinel Joseph, politicien clair, ancien conseiller électoral. Bon, Laurence Saint-Cyr, bon, monsieur était même sur pour pétrole. Mais pendant sur pour pétrole là tout, la fait job secteur là. La fait job boss li. Hein? Pendant nous ouais que Laurence Saint-Cyr nous ignorer monsieur, ouais, il était comme un zombie dans conseil là, pas parler, pas dire rien. Li était comme un zombie dans conseil là. Li pas parler, pas dire rien. Ah oui? Li pas parler, pas dire rien. Li était comme un zombie. Nous d'accord ça? Et bien pour qui ville? La fête job sectel. Hein? La fête job sectel qui c'est secteur privé. OK. Regine Abraham et bon. Ancienne directrice ANAP, je ne sais pas vraiment est-ce qu'elle est politicienne madré, je ne sais pas. Mais quand même, même les patrons politiciennes madré, mais quand même, les après gaffe pas. Ça veut dire que tous les neuf personnes qui sont dans le conseil là, ce n'est pas des novices qui sont. Il n'y a pas des novices, il n'y a pas des communs des mortels, il n'y a pas des hommes ordinaires. Ok? Il n'y a pas des novices. Il y a des communs de mortels, il y a ces deux politiciens madrés. Il y a ces deux politiciens madrés. Même le patron de politiciens madrés, mais secteur que vous avez, ou le parti que vous avez, il y a qui sont capables de faire moun sa ou gérer la situation. C'est ça que vous comprenez. Oui? C'est ça que vous voulez comprendre. Et je dis, hein, m'ba kwa ge aucun moun kap fè m comprendre l'autre bagay. Je dis, hein, pa ge aucun l'autre moun kap fè m comprendre l'autre bagay. Non, du tout pas. Du tout pas. En tout cas, et met tout dit tête nous ça, nous pral retomber non quatre bombé. Yeah. Nous pourrions retomber non quatre bombé. Et nous mettre arranger nous. Nous pourrions retomber non quatre bombé. Et ben va pas compliqué. Ben là après compliqué et très très compliqué. Elle après vraiment compliqué là. Je dis hein. M'a dit ça clairement. À qui profite de tout ça yo? Qu'est-ce qui a profité de tout ça yo? Qui est-ce qui a victime de tout ça yo? C'est pas l'autre monde que peuple haïtien. C'est déplacer force interne yo que bandi mettait dehors carrefour feuille ba petite chose. Qui jusqu'à présent qui trouvait dans un ensemble de espace l'école, lycée, école nationale, moun a mal dormi, moun a mal vive, moun a mal nourri. C'est soit une tête chargée qui existait. Mais dans tout ça, qui sa autorité concerné ou dit? Qui sa ou fait? Yeah. Qui sa autorité concerné ou dit? Qui sa ou fait? Qui sa ou fait? Qui sa ou dit? Rien de sérieux. Rien de sérieux. Et je dis à moi que, faut que nous gardions les problèmes dans la dimension que nous devons garder là. Ok? Faut que nous gardions les problèmes dans. Dans la dimension que nous devons garder là, garder la dimension ça, ou elle la dimension ça. Yeah. Garder la dimension ça, ou elle la dimension ça. Garder la dimension ça, ou elle la dimension ça. Et je dis à moi que tout acteur, tout secteur, tout groupe organisé, yo tout ensemble, yo doué capable comprendre. Yo dwe capable garder
yo dwe kapab wè ke situation peyi an trouve le jounen jodi an li pa un bagay ki fasil. Situation peyi an trouve le jounen jodi an li pa yon bagay ki fasil. Il pas facile vraiment. Il n'est pas facile vraiment. Qui donc je vous dis hein, c'est comprendre, c'est garder, c'est fournir pour nous ouais, qui ça cap passer, qui ça cap privé. Dans dossier qui est pour avec madame Dominique Dupuy, ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti hein, qui lui-même qui t'est convoqué par conseil présidentiel yo ou dimes par bon cabinet mini cabinet con, et conseil parce que c'est chef cabinet à côté écrit ici en bas lettre convocation mais madame Dupuy pas présenté et puis m'a connu dit clair madame Dupuy pas parler si c'est comme ça n'a convoqué ministre moyen ministre qui sous tutelle moyen il pas parler et PM connu ba des arguments il dit non là que le voyer ba nèg yo Port-au-Prince 2 octobre 2024. Excellence, Monsieur Edgar Leblanc fils, président Conseil présidentiel transition, nan bureau. Excellence. Permettez-moi pour m'écrire dans ce qui est pour en correspondance que moi prends connaissance de lui lundi et mardi alors pardon, mardi après-midi qui est adressé au voyer by ministre affaires étrangères madame Dominique Dupuy et c'est directeur cabinet conseil président cette transition qui convoqué nos réunions et me fait connaître que conseil présidentiel là il convoqué ministre là dans une réunion mercredi 2 octobre de, à 2024 là à 11h dans matin selon PM Gary Kouni dans lettre ça que le voyez by Edgar Leblanc fils c'est bien oui. L'idée de démarche ça soulevé plusieurs préoccupations. En effet, en réalité, li pas respecté, attendez bien, ça n'est les usages et procédures qui établit en matière de bonne gouvernance. Elle dit, gens que l'État doit fonctionner, rapport yo, entre tête exécutif. Yo. Yombo, li écarté disposition et constitution amendée. Hein, en particulier article 156 et 159 qui dit premier ministre là lycée chef gouvernement et il gagne et collaboration avec président pays autorité sous membre yo gagne autorité sous membre gouvernement ça veut dire ni premier ministre là ni président yo gagne autorité sous membre qui dans gouvernement OK. Mais elle précise que le premier ministre qui a dirigé et coordonné l'action ministre et qui placé sous autorité directe, par conséquent, toute interaction formelle avec le gouvernement, et y compris ça les convocations, les doit être faite en étroite concertation avec le chef gouvernement. Ça veut dire que ce n'est pas convoquer madame Dominique Dupuy mais c'est d'abord selon PM Gaïkouni ça doit fait dans discussion dans chita parler entre la présidence et puis la primature il recadre négo là on l'autre côté matériel qui a lui pour compiler documents qui t'ai pour avec son mission diplomatique là li pas vraiment suffisant par rapport avec sa présenté comme réalité. Contenu de tout ça yo, ça veut dire face avec tout ça yo, élément ça yo. Li souhaité proposer que convocation ça li annulé pour pas gagner. Il suggérer en même temps conformément avec discussion qui fait dans conseil ministre lundi passé hein, mais ministre affaires étrangères participer là dans réunion, la participer mais participer dans réunion chaque semaine. Mais que chef gouvernement parle avec membre KPTO qui prévoit pour 5 octobre 2024 qu'a privé là. Ça veut dire, les amis internautes,
Bagala pas facile. Bagala pas facile. Et je veux dire, m'le qui nous comprenne ça très bien. Ok? Je dis, n'a pas essayé de garder, n'a pas essayé de comprendre que pays d'Haïti, nous prenons un véritable complot. Ok? Nous prenons un véritable complot. Et malheureusement, c'est même nous-mêmes encore, pour un petit pays, ok? C'est même nous-mêmes encore, qui mettait Haïti dans sa lila. Et si je dis, nous ne pouvons pas comprendre que c'est pour nous gommer. Si je dis, nous ne pouvons pas comprendre que c'est ensemble pour une bataille. Pour nous gommer l'autre Haïti, c'est ça que je dis, non? Où est-ce que ça là? M'a dit le clé. Problème non. Fait carré. Empiré. Problème Haïti. Fait carré. Empiré. Problème pays ça. Il va pour demain. Problème haïtien, ça qui fait mal, là. C'est même nous-mêmes encore, qui mettez pays à dans sa lé là. Ok? Et qui donc, je dis, hein, Si que pays haïtien, pays ça, que nous pas gen on levé campé qui fait, si peuple haïtien, li pas levé campé pour le courir les chalbarés, des bonnes moun sa yo, baba nous menti, misère nous, souffrance nous, Il a fait carré vin pi mal. Et son raison pour me dire encore avec pour me finir, haïtien calé genou. Haïtien prend responsabilité nous. Haïtien prend destin nous en main parce que quel que soit le capet le gouvernement koni, je dis en là, si nous commençons à garder bien en pile nan yo, pas régler rien pour pays ça et c'est nous-mêmes qui a souffri en un pays ça. Merci tout le monde. N'a croisé dans l'émission Calfo Vérité. Le ministre Justice et Sécurité Publique, là, M. Carlos Hercule, M. fait connaître que le gouvernement prend toute disposition pour faciliter rentrer l'école année académique 2024-2025 là, dans un quartier qui est difficile. Ministre Carlos Hercule, M. Bay garantie la police et l'agent sécurité publique yo. À présent dans toute zone l'école yo pour commence alors pour année académique 2024-2026 là 25 là c'est une taxe force qui mettait campé avec différents ministères tant que MDPTC ministère environnement qui mobilisait pour ça d'après M. Carlos Hercule qui rappelait nous pas qu'à quitter situation à vivre là empêcher Timounio aller l'école pour me répéter ministre justice et sécurité publique d'Haïtien M. Carlos Hercule qui lui-même fait qu'on est que je dis hein, je lui ai dit 1er octobre 2024 là
et qui c'est rentrée officielle année académique 2024-2025 pour Timounio pour année ça. Et son école, est-ce que l'île ouvri année en ti pati, Jean Kenson, Jésus Maniga, l'école à table ouvrir, est-ce que c'est comme ça l'ouvri? M'a dit oui, parce que gué de côté la Timounio pas l'école du tout, parce que l'en prend nan ba la Timonite pas gué comme ça du tout, l'en prend en l'en peigne ton se pas gué comme ça du tout, l'en prend Matisse Fontama pas gué comme ça du tout, l'en prend en Grécier pas gué comme ça du tout, qui donc ça veut dire que gué de côté je dis, hein, Timounio obligé déménager pour aller l'autre côté pour aller obligé prendre Timoso l'éducation. Désir jeune qu'on l'aime déjà et gens qui ont pile qu'on aime déjà. Bataille entre Cap et KPT, conseil présidentiel, avec PM Garikoni, bataille rapoussible entre deux têtes exécutives. Bataille pour qu'on ait, est-ce que KPT a crasé une fois que tu as joué que trois conseils, tu as impliqué, demandé l'argent avec ancien président conseil d'administration BNCA, M. Raoul Pascal Pierre-Louis, est-ce que si tu as joué preuve dans le rapport ULCC, est-ce que c'est seulement mettre trois conseils sur ce côté? Est-ce que le conseil a dû écraser? C'est des questions qu'on a posées. Est-ce que tout tête que Leslie Voltaire, conseil présidentiel, qu'elle t'a dit cap coupé, hein, les que retourné, hein, est-ce que c'était ministre affaires étrangères haïtien, hein, Dominique Dupuis? Est-ce que c'était ambassadeur Haïti dans Washington, c'est M. Antonio Rodrigue? Qui est cette cap coupé? Mais là, dit, il y a une grosse bataille. Que gros diel là, notre question pour qu'on ait qui est cap révoqué et qui est cette cap coupé. Et là, petit désir, la police, à travers une petite vidéo sous page li, montre à clé présenté ménage Kempes et présenté un sec Kempes sanon, bandit sa cap opéré sous Bel Air, mais en même temps tout, à travers une petite vidéo des Ivenes, la police a présenté et opération qui a mené dans la commune Crécier, bien que, en pile habitant dit que, et ça, la police a dit, hein, avec ça, on y a vivre dans Crécier, hein, peut-être c'est des bagages différents. Oublier, Nations Unies paraît pas d'accord pour que yo transforme mission ça en mission onusienne. La Russie et la Chine pas d'accord, mais yo d'accord que yo voté à l'unanimité renouvellement mission ça jusqu'à présent qui va gagner à essayer la régler des Ivenes. La situation dans le département de la Tibonite, directeur départemental éducation et professeur Fritzlin Aurélien, lancé officiellement ça qui vient pour avec année académique 2024-2025 là, qui pourra permettre que Timounio a recevoir plein de l'instruction. Pendant directeur départemental a fait mention des communes en cours qui représentaient un gros problème parce que année académique qui se passait à Timounio, t'es un problème pour recevoir plein de l'instruction et il a annoncé lui-même comme directeur départemental, représentant ministère éducation nationale dans le niveau département de la Tibonite, il prend toute disposition pour communiquer, pour dialoguer avec Silao comme autorité locale pour qui Jean yo ka permettre que ami académique là dérive réel surtout pour tout monde qui dans commune Liancourt. D'accord, c'est presque tout un pays a et ben c'est mobilisation à travers directeur départemental pour permettre que l'école li renouvre. Et dans département la Tibonite, t'a dit gain diverses écoles dans Gonaïve, dans Ville-Saint-Marc qui accueille Timounio, mais quant à pour Liancourt, toujours paraît très difficile dans Tirivière la Tibonite pour jusqu'à présent pour que gain pièce en mise en place qui permettre que Timounio aller l'école parce que c'est presque chaque jour, Mounio a besoin des scénarios surtout dans ça que Bandi a fait dans la commune Tirivière la Tibonite. Ailleurs au soir, M. Grand-Griffio pas sommé, il y a un ancien magistrat NS Grand-Pierre qui dans Tirivière la Tibonite, qui est négo pillé pour jusqu'à minute qui n'a pas allé à là, négo avec machine, côté à côté aller, ensemble objet des valeurs que Mounsao te gagné en dedans caillou. Madame Mission Kenyan prolonger de cette somme pour l'année encore, décision ça prend à travers résolution Conseil sécurité Nations Unies adoptée. Qui est capable d'alimenter ou bien à l'unanimité, il essaie donc de regarder quelque chose là. C'était journée lundi et 30 septembre 2024 à qui regarder question qui permettent que monsieur dame qui dans mission que Kenya a dirigé pratiquement il y a l'autre année encore pas oublier demain 2 octobre qui a venir t'a permettre que mission ça était arrivé dans boucle malgré personne pas ouais vraiment grande activité qui ont réalisé en dedans pays en question insécurité à continuer à valer terrain. Centrale TGI dans avenue Christophe dans Port-au-Prince. Eh bien, t'es très mouvementé pendant la journée. Lundi, qui se passait à Blaise Personne, côté divers petits employés qui continuaient à faire revendication. Et malheureusement, directeur général là, t'es arrangé pour t'acheter chez JDP pour t'es venu faire constat. À partir de là, plume sous dos et travailler, plume sous dos, ensemble, monde qui t'a travaillé personnel qui n'a pas fait ça, demandé révocation directeur général qui, dans DGI, dans Port-au-Prince, ou bien dans DGI central, dans Port-au-Prince. Blaise, question politique en dedans pays. Dans sa Kishita, dans question accord, 21 décembre. Ou jusqu'à présent, il y a pour qu'on trouve six qui permettent que Louis Gérald Gilles et Tadeo ou bien toujours été en conseil.
Petros, minorité et majorité, yo tout yo abgoumé. Si c'est pour minorité là, et ben abdi que Louis Gérard Gilles pas prendre conseil présidentiel là encore. Exactement. Parce que on est en cours André Michel, mais André Michel, il prend position déjà, il contacte CARICOM sous question pour demander CARICOM ou écarter docteur Louis Gérard Gilles dans conseil là et gagner l'autre membre qui dit que c'est écarté provisoirement pour enquête là capable mener et monsieur Louis Gérard Gilles et surtout militant qui proche Louis Gérard Gilles, dit pas qu'il écarté pour un petit temps. Pas gagné écarté temporaire, parce que c'est d'ailleurs des honnêtes papiers. Mm-hmm. Et si messieurs sont pratiquement mettez d'ailleurs, qui est-ce qui va le remplacer? Est-ce que le monde qui va le remplacer va le gagner? Et sans doute pour le décider de quitter. Si c'est temporaire qui est mettre, eh bien, monsieur a joué intelligent, vous ne pouvez pas battre à l'heure dans quatre conseils présidentiels, transition pour retirer quoi. La situation, la guerre entre la primature et la présidence. Il y a une guerre froide. Si on y a une guerre comme ça qui était éclatée, dans le moment que Dr. Gary Kouni, chef du gouvernement, le premier ministre, t'es allé à Washington dans une rencontre diplomatique. La présidence t'est réprimandée sévèrement pour question ça. Exactement. Et après sortie dans la 79e Assemblée générale des Nations Unies, ça a fait si face et avec plus rigueur les personnes. Sans doute, nous pas pour l'être qui a pris la rue, mais dans ensemble Chita Keogen. Dans le Conseil des ministres, qui adopte, qui essaie de regarder, qui a gardé un autre budget, surtout question budget rectificatif qui a parlé à des personnes, pour année fiscale 2024-2025, là, l'hypothèse en pile qui est cassée. Il y a un pile qui est gonflé. Il y a des gens qui ne prennent pas dans l'espace là, parce que vous êtes senti étrange. Qui ça n'a fait? Est-ce qu'on a sauvé la République? D'ailleurs, Leslie Voltaire, représentant famille Lavalas dans le Conseil présidentiel de transition, hein, depuis l'elle était fini arrivé les États-Unis avec William Mouton, l'était clair, après l'obéi qui était éclaté, dans une rencontre qui était organisée pour la présidence avec le président Lula da Silva du Brésil, et bien c'était le premier ministre Dr. Gary Kouni qui était participé dans la rencontre ça. Depuis lors, et bien, et architecte Leslie Voltaire était annoncé. T'as gagné tête qui pral couper. Les on dit tête pral couper en politique. Dans l'administration publique, il y a ces révocations pour quelqu'un. Qui est-ce qui pratiquement pour le révoquer? Qui est-ce qui pour le faire du job? En pile, le monde a pensé d'en faire regarder. Si tu as un coup d'État classique qui t'a planifié, c'est dans la diplomatie haïtienne qu'elle t'a sorti. Mais malheureusement, si vous attendez dans le retour Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de transition, il dit au discours que tout le monde a félicité. C'est ministère affaires étrangères qui écrit. C'est vrai qu'il y a quelques bagailles qui sortent en dedans pendant la prononcer. Mais c'est ministère affaires étrangères qui écrit discours. Kounia, qui ça me dit non? Est-ce que révocation dans diplomatie et libéral fait affaire? Libéral dans intérêt pays d'Haïti. Si vous dites discours que Edgar porte sur tribune des Nations Unies, c'est ministère affaires étrangères qui écrit discours. Sous bouillon, c'est vrai que président dit lui-même. Li quelque bagaille qu'elle a vécu, li pote quelque bagaille en plus là-dedans. Est-ce qu'elle est nécessaire pour y penser avec question révocation ou bien retirer monde? Je dis encore groupe campé et en mettre pays. Encore groupe voter déjà. Pour on est en cours, docteur Gary Kouni par en tête pays comme premier ministre. Qui est-ce qui pour le mettre? Est-ce que vous avez un plan déjà? Est-ce que Haïti a toujours dirigé par les étrangers? Sinon, qui s'appelle haïtien? Gagne pour être dans ça et qui s'appelle haïtien pour le faire dans ça pour empêcher ça pour arriver à la situation parce que c'est une autre forme de crise. Et il y a divers mouvements qui sont annoncés. Divers mouvements annoncés dans le pays. Moi, Capé Sam annoncé mouvement. OK? Opposition plurielle annoncé mouvement. Et majorité, Capé Sam, c'est devant l'ambassade américaine qui vous fait quoi qui vous prenez. OK? Qui lié avec question massacre que la République dominicaine te fait sous nos compatriotes haïtiens. Et je dis, si vous regardez le traitement qui n'est pas différent, la République dominicaine n'a pas changé. Même que vous êtes sous la tribune des Nations Unies, vous êtes pour Luis Abinadel, président des États-Unis d'Amérique, lui montre qu'elle gagne des positions et l'amour dans quel vous Haïti. Mais au fond, c'est diplomatie qui n'a pas appliqué. Parce que si la République dominicaine te gagne l'amour tout bon vrai, nous garantissons ça qui est là pour changer. Même ça, les États-Unis. Qui dit que tout le temps a supporté. Mais en regardant, en plus, il faut y avoir ce pas eux-mêmes, parce que c'est pas eux qui viennent exécuter le plan ou les personnes. Mais c'est Haïtiens qui ont utilisé, qui viennent prendre pouvoir, qui exécutent le plan ou qui rendent que le pays est invivable. Blaise, la République invivable. Moun pa ka sorti dans le département pour aller dans l'autre département. Et je dis, qui pourra le permettre que les parents aient trouvé dans une situation très difficile et pour répondre. Avec question, redevance, obligation scolaire pour année, ou avec un plus parent pour avoir beaucoup plus plein, ou avec une direction d'école qui prend un problème avec professeur, parce que vous ne pouvez pas
acquitté, yo pral pa ka répondre avec obligation professeur. Si pa gen rien qui s'est fait, songez. Même dans ta crise, l'école, ils sont balayés qu'elle mérite protéger. Promesse que l'État haïtien fait, Blaise Tesson, avec parents, yo, pa gen rien qui respecté jusqu'à présent. Qui mettait directeur et l'école privée yo, et même directeur l'école publique yo, dans gros difficulté parce que dit que la baille l'argent et l'argent t'a devenu avant. OK? Pour permettre des préparations qui fait jusqu'à présent l'argent subvention pour arriver Blaise Tesson et on t'ai parlé des 9 milliards 193 millions qui débloqué pour 22 projets. Et vous avez subventionné qui gagne question l'école là-dedans, bien sûr. Bon, c'est que ensemble de points, ça au désir qu'on va analyser, qu'on va regarder ensemble. Mais entre temps, désir, il y a quelques réactions, il y a quelques extraits sonores tout. Et on a partagé avec Zamio parce que quelque part, et sous plusieurs dossiers, nous allons venir avec ces extraits, ça c'est que le capable vraiment intéressant. Côté que le diplomate Pierre-Antoine, lui, monsieur qui parle concernant notre transformation. Qui va arriver fête de mission multinationale ça avec en mission onusienne, non? Et en même temps, tout sous question bilan de travail et bilan de travail et mission multinationale ça pour monsieur, pas gagne rien de sérieux vraiment qui a fait bon côté et nous capable dit mission multinationale et la Russie avec la Chine qui pas décidé pour yo voter pour transformation mission multinationale ça en mission opération onusienne. En dedans des diplomates et Pierre-Antoine lui et puis nous même la fait des débats. N'a pas passé avec sa désir. C'est République populaire de Chine avec la Fédération de Russie qui n'est pas d'accord pour mission à transformer. Américains ont fait toute tentative, ils ont même mis ton langage comme quoi l'ONU a commencé à analyser qui genre de transition t'a fait. Chinois avec Russie ont dit niet. Donc Américains ont fait tout ça pour te faire. Donc sachant que si on quitte résolution telle qu'elle, bon d'ailleurs, toutes les fois que gagne un membre permanent du Conseil de sécurité qui fait objection, projet résolution yo modifié. Jusqu'à ce que question de transformation vienne pas possible encore, parce que la Chine et la Russie refusaient faire ça. Russie même prétend que faut obéir résolution et enfin, mission multinationale d'appui à la sécurité à temps pour le marché. Bon, il est évident que mission pas marché. Mission tellement pas marché, il n'est pas même qu'à déployer entièrement. Ok? Et c'est récemment que à peu près 20% mission déployée. Donc, on ne pas réellement comprendre de qui ça a parlé. Donc, il fait que, je vous dis, par la résolution 2751, Conseil a adopté une résolution qui est prorogée, c'est-à-dire qui mettait mission multinationale d'appui à la sécurité à continuer en place pour un an encore jusqu'au 2 octobre 2025. C'est ça que fait. Mission moins que zéro. Les moins que zéro, parce que mission premièrement pas déployée, même 30% mission pas déployée, il y a un problème financier, mission pas gagné équipement qui est adéquat pour le faire travailler, mission pas fait une grande opération qui a succès depuis les déployés. À preuve, tu as un problème et Grécier, problème dans le demeure entier, tu as un problème quand il demeure entier. La mission a été déployée, tu as un problème dans le port, pour avoir des nouvelles, qu'on y a mission sur le terrain, port maritime de Port-au-Prince, zone littérale Port-au-Prince fermée. Ok, il n'y a pas qu'à opérer, lien rien ne peut venir, parce qu'il y a kidnappé même marin. Les gars ont fait ça. Donc, Haïti toujours pas qu'à circuler. Mon entassé dans l'école parce qu'il n'y a pas qu'à retourner la caillou. Pas qu'il y a une grande route nationale qui est libérée. Donc, mission n'a pas déployé dans les zones sensibles. J'ai en résolution 26-99 là, t'es dit là. Donc, mission pour le moment n'est pas accompli. Mission. Maintenant, il y a un problème, c'est parce que l'autorité haïtienne, mon cap dirige Haïti, refuse de comprendre que bon, l'État, c'est sécuriser le territoire là, avec le peuple qui vit là-dedans, avec bien. Yo. Ça va faire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, comme je dis toujours, pour un pays dépendre entièrement d'étrangers pour sécuriser le territoire. Je répète que c'est Haïti qui pour une stratégie, c'est Haïti qui pour créer des conditions pour sécurité rétablie dans le pays. Mission 1, qui est notre petite mission, mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est ça qu'il vient faire. Il vient appuyer Haïti
pour faire travail. Parce que nous connaissons, nous n'avons aucun indice. Si nous ne connaissons pas que notre stratégie offensive pour rétablir l'autorité de l'État, si vous remontez, nous avons remonté tout le monde qui connaît, qui comprend un capable de garder pour vous, pas qu'aucune opération offensive qui fait, c'est opération pompier, opération coup de poing, pour essayer de déloger les bandits dans le côté et y a fait agissement. Il y a un côté peuple à passer, par exemple, par là, mais les bandits ont envahi, il est oublié, d'ailleurs, pour affaire, il est bruit que les gens qui ont essayé de passer par ce gain, puis il y a arrivé dans le département du nord-est, un peu plus au fil dans le département qui est dans le studio. Bon, nous avons un groupe bandit qui est à mobiliser pour terroriser Mounzao. C'est République populaire de Chine avec la Fédération de Russie qui n'est pas d'accord pour mission transformée. Les Américains ont fait toute tentative de même mettre en langage comme quoi l'ONU a commencé à analyser qui genre de transition a fait. Chinois avec Russie ont dit niet. Donc les Américains ont fait tout ça pour être fait. Donc sachant que si on quitte la résolution telle qu'elle, bon d'ailleurs, toutes les fois que gagne un membre permanent du Conseil de sécurité qui fait objection, projet de résolution modifié. Jusqu'à ce que la question de transformation ne vienne pas possible encore, parce que la Chine et la Russie refusent de faire ça. La Russie même prétend que faut obéir résolution et la mission multinationale d'appui à la sécurité à temps pour le marché. Bon, il est évident que la mission n'a pas marché. La mission n'a tellement pas marché, il n'est pas même qu'à déployer entièrement. Ok? Et c'est récemment que à peu près 20% mission déployée. Donc, on ne pas réellement comprendre de qui ça a parlé. Donc, il fait que, je vous dis, par la résolution 2751, Conseil a adopté une résolution qui est prorogée, c'est-à-dire qui mettait mission multinationale d'appui à la sécurité à continuer en place pour un an encore jusqu'au 2 octobre 2025. C'est ça que passe. Mission moins que zéro. Les moins que zéro, parce que mission premièrement pas déployée, même 30% mission pas déployée, bien problème financier, mission pas gain équipement qui est adéquat pour le faire travailler, mission pas fait une grande opération qui gain succès depuis les déployés. À preuve, t'as gain problème et Grécier, problème dans le demeuré entier, t'as un problème gantier, le demeuré entier. La mission a été déployée, t'as un problème dans le port à devenir ouvert, qu'on y a mission sur le terrain, port maritime de Port-au-Prince, zone littérale Port-au-Prince fermée. Ok, moun ne pas opérer, lien rien ne peut venir, parce qu'il y a kidnappé même marin. Les gars ont fait ça. Donc, Haïtien toujours pas qu'à circuler. Mon entassé dans l'école parce qu'il n'y a pas qu'à retourner la caillou. Pas qu'il y a une grande route nationale qui est libérée. Donc, mission pas déployée dans les zones sensibles. J'ai en résolution 26-99, là, t'es dit là. Donc, mission pour le moment, n'est pas accompli mission. Maintenant, il y a un problème, c'est parce que l'autorité haïtienne, mon cap dirige Haïti, refuse de comprendre que bon, l'État, c'est sécuriser le territoire là, avec le peuple qui vit là-dedans, avec bien. Yo. Ça va faire. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, comme je toujours dit, pour un pays dépendre entièrement d'étrangers pour sécuriser le territoire. Je répète que c'est Haïti qui pour une stratégie, c'est Haïti qui pour créer des conditions pour sécurité rétablie dans le pays. Mission 1, qui est une petite mission, mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est ça qui vient faire. Il vient appuyer Haïtien pour faire le travail. Parce que nous connaissons, nous n'avons aucun indice. Si gain nous pas connaît que gon stratégie offensive pour rétablir l'autorité de l'État, c'est pas vous remonter n'a remonter tout le monde qui connaît qui comprend un capable garder pour vous, pas qu'aucune opération offensive qui fait, c'est opération pompier, opération coup de poing pour essayer de déloger bandits dans côté et y a fait agissement, gain côté peuple a passé par exemple par là, mais bandits ont envahi, il est oublié, d'ailleurs pour affaire, il est bruit que moun ka essayer passer par ce gain pour arriver dans département du nord-est, un peu plus au fil dans le département qui est dans le studio. Bon, nous avons un groupe bandit qui est à mobiliser pour terroriser Mounzao. Bon, désir, moi, c'est que nous faisons mieux entendre pendant deux fois réaction et compréhension et réaction et compréhension. Bien, Antoine, non, mais on dit ça exactement. Par contre, ça comprend de ça, monsieur Dia. Blaise, et nous croyons ensemble, monde qui a gardé nous à travers le monde. À la majorité, c'est haïtien. Ils parlent créole. Ils comprennent créole. Monsieur correct, on a avancé qu'il fait là. La monsieur dit que mission, c'est zéro. Et
la Russie qui campait en face, qui dit bail mission en temps pour être capable de déployer. Est-ce que je veux dire, nous n'arrivons pas à comprendre, niveau complot, communauté internationale là, à l'encontre de la République d'Haïti, c'est un bagage qui même dépassé niveau. Moi-même à coup et tout peuple haïtien. Mm-hmm. Si on continue à rester sous silence, il y a prétendre ces communautés internationales là qui nous font bagaille. Combien de temps qui perdu? C'est dans le mois de juin que mission a commencé à déployer. Et 25 juin. Résolution a adopté depuis octobre. Octobre 2023. Yeah. 2 octobre, quoi, 13 octobre pour ça. Ok, 2 octobre. On garde 2 octobre. À partir de 2 octobre. Ouais, combien de temps qui a perdu là-dedans? En juin, il a commencé à déployer en dedans pays. Et automatiquement, il y a renouvelé pour un an. Ça veut dire, mission a gagné un an. Gagné un an depuis l'argent a boulé. Est-ce que l'évaluation un an, il n'y a pas de sous 600 millions de dollars? Est-ce que ce n'est pas pour un an? Mm-hmm. 600 millions de dollars établi. Ou bien c'est pour tout le temps qu'il y a bien pour faire dans l'espace. Si c'est pas pour, si c'est pour un an qu'il y a 600 millions de dollars qui ont disparaître. Ou bien 600 millions de dollars supposé qui ont disparaître. Ce qui est le résultat, papa. Ou après, que diplomate Pierre-Antoine lui avance pour montrer que c'est une mission soutien avec la police. Problème dans son problème. À l'haïtienne, c'est haïtien de chercher à résoudre. C'est ça que chaque fois qu'il me parlait des questions, ça. Nous gardons où état-major la police. Nous gardons où état-major la MEA. Nous gardons chef CSPN, gouvernement haïtien. Qui gagne pour bail mission directive pour le résultat que nous tous souhaitons? Résultat, nous garantissons. Si autorité haïtienne n'a pas arrangé pour une directive avec question mission ça, la commettre plus de dégâts, autant plus de dégâts que ce que le ministère a causé en pays. Beaucoup plus de monde a perdu la vie en présence. Ok? Diplomate Pierre-Antoine, nous allons aller pour le montrer de la situation, port de Port-au-Prince, zone littorale là. Il était pratiquement. Et te gagné un petit cal apparent, côté où tu et compter des marchandises, bateau te commencé à priver. Ou n'y a kidnapping fait dans zone littorale là. Mm-hmm. Surtout des bateaux qui t'a transporté des conteneurs, membres d'équipage kidnappé. Mm-hmm. Qui pral conduire dans une situation et qui pral beaucoup plus difficile parce que ou gon pays li approvisionné à travers la mer, à travers avion qui a rentré en dedans pays. Si yon dit que yon récupéré aéroport international tout seul l'ouverture, n'a pas d'accord jusqu'à présent parce que aéroport a continué la fonctionner la bail service. Mais quand t'as pour port, route nationale de personne, c'est toujours chance qu'il y a plein. L'hôpital général, toujours pas qu'à fonctionner. Pendant mission en dedans pays, comme la Russie, m'a des temps pour le capable de déployer, il y a renouvelé mandat à l'unanimité pour un an. Bon, souhaitons que les autorités haïtiennes yo prennent responsabilité yo, qui cap permettre que ça marche, surtout pour Silayo, qui est dans le département de l'Ouest pays, qui gagne 80% département de l'Ouest pays, qui sous contrôle bandit.